is wrong with you? What is wrong with you? Allez, on court, on a toujours la barbe. Hein. Pas un barbier pas loin? Ah si si, mais il est dans la zone. Quelque chose sur cette barbe. Au farm. Y a quoi, quoi faire où? Les connards! Putain, ils sont vraiment aveugles. Hein. Le SPD aveugle, putain. Inadmissible. On peut être aussi aveugle là. Ouais, la Mass Bank c'est avec les projecteurs. Hein. C'est pour le Fairy Five. On va faire travailler le taxi ça. Non, vraiment. Ouais. Attends, t'es dans une buffalo là? Ouais. Oh, tu me débectes. Oui, j'ai posé la question, tiens, en mairie, il va me répondre. Pour le délai de Gassine, c'est quand? Ouais. Le quoi? Le délai de quoi? Bah, le délai de Perky. Perky ou... Ah oui, bah Paris, là, j'y suis, là. Ah, c'est maintenant, là? Ouais. Vous faites là? Ouais. Mais le Camacho, il est pas dans l'appart? Bah, on va vérifier, hein. Et le maire, il vous a dit ok? Ouais. Ok. Et moi, je te l'ai dit, hein, qu'il sera pas dedans, hein. Bah oui, bah on va vérifier. De toute façon, au pire, il paye son amende, le conseiller m'a dit. Ok, il est là? Oui. Ok, bah tu me diras. Bonne chance. Allez, je m'en occupe, t'inquiète. Ouais. À plus tard. Bien.
Va! Ah, ça c'est Broker ça. Putain, mais y a pas de taxi? Vas-y, y'a pas de texte, je vais aller en courant, putain. Non, c'est si loin. Non, j'attendais le taxi, mais bon, j'ai pas de taxi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxi à la reconnaissance, ouais, après c'est possible aussi. La ville, c'est une ville de Crémy. Hein. Je dis ça, on est quand même 19 ans, 20 ans en service. Mort chez Mirror Park. Non, c'est trois morts. On ne joue pas ce soir, moment. Alors, je sais pas si t'as remarqué mon stream, c'est moment. Demander à un autre streamer ou un stream, si un autre streamer stream, c'est quand même un peu abject, on va dire. Manque de respect. Excusez-moi. Vous avez raison, je suis en civil, bah, j'ai pas le droit d'être là, vous avez raison. Il faut que je parte, il faut que je parte. Bah, je vais changer ma barbe là. D'accord. Parce que c'est une barbe que. Non, mais c'est une barbe qu'on m'a donnée. Ah oui. On vous a donné comme une fausse barbe. Oui, la barbe de moment ou la barbe à moment, je l'ai pris et je l'ai mis. D'accord. Ah, il faut une petite tondeuse. Bah, je vais la. Ouais, mais j'ai pas de tondeuse, une tondeuse sur vous. Ah, j'en ai une chez moi. Merde. Non, non, je n'ai pas d'attendeuse. Hein. Oui, bah, vous, si vous voulez, je vous donne mon adresse, vous y allez, vous me dites là. Non, mais vous... je pense que je vais la teindre, cette barbe, et comme ça, l'autre barbe qui est derrière, elle va se. Elle va pousser, et je pourrais l'enlever après. Ma moustache est bien de là, moi. Ah, d'accord, j'ai compris ce que vous avez. Alors, monsieur, moi, je peux vous donner un conseil. Si vous voulez que la barbe pousse, il faut se waser tous les matins. C'est ce que je fais depuis 4-5 mois. D'accord, et ça marche? Ah, oui, ça marche. Bah, regardez, oui. Oui, regardez. Non mais là, vous m'avez dit que c'est une fausse barbe. Oui, oui, mais quand je l'enlève, elle pousse. Ça, là, je l'ai pas encore laissé. Je l'ai laissé juste un jour pour voir et je voyais que c'était plus, voilà.
D'accord, bon bah tant mieux si ça marche alors. Oui. C'est bien. Et pourquoi Après, ça marche pas? Vous pensez que ça marche pas? Bah écoutez, moi je. Si, mais c'est juste qu'il faut être bien rigoureux quoi. Si vous Ouais. loupez quelques jours, ça sert à rien. Oui, bah, vous connaissez un ami, ça? Oui, j'avais un ami Il a qui a arrêté? fait. Bah, c'est pas qu'il a arrêté, c'est il oubliait, Oh putain, j'en il a peux plus, oublié j'en ai toutes marre. les scènes. Putain, je l'avais dit à Tone que il fallait qu'il fasse ça tous les jours et ça fait 3 semaines qu'il l'a pas fait. Il est trop con, putain. On peut plus lui. Oh, c'est tout droit. Ah, calmez-vous. Merci à toi Jojo pour le sub, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci Gendo. Gendo 54 pour les 6 mois. Ouais, team 6 mois. Là, c'est une voiture. Là? Non mais c'était ma barbe. Normalement c'était une barbe de clochard? Non attends. Je vais prendre celle-là. T'as pas la couleur? La couleur déjà, putain. Ouais, c'est trop cool, tiens. Oula! Faites pas Faites la. l'amour, pas la Eh oui, guerre. exactement. Clairement pas la guerre. Non, mais c'était cette barbe-là? Elle est très, très rousse quand même. Hey! Laisse comme ça? J'avoue que ce soit moche. Une barbe de 3 jours, tiens. Quelle couleur je mets? C'est clair. Châtain doré, un cuivré, châtain court. Ah, tiens, on va faire châtain. Ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a enlevé la barbe et on s'est pas rasé depuis 3 jours et.
Ils ont fini. C'est une rapide GT rouge, je crois. Hein. Non, je suis en arrêt, juste j'ai pris mon service. Enfin, j'ai pris. En fait, j'étais à côté de Carson. J'ai pas. J'avais cru que j'avais sauvegardé, mais j'ai oublié de sauvegarder, je crois. Ou j'ai sauvegardé, quitté direct et ça pas sauvegardé. Tu étais barbier avant? Non, pas du tout. J'ai jamais été barbier. Jamais été barbier. Vous avez Gambino. Ah ouais? Non. Pas. Hein. Quelqu'un avait dit ça, non? Je vais chez le barbier, ça arrive. Ouais. Rasoir du futur, je l'ai pas vraiment beaucoup testé, c'est très compliqué. En fait, mon rasoir du futur, il faut d'abord faire un autre rasoir, et c'est ça qui me relou en fait. Je pensais que le rasoir du futur, ça te rasait même quand tu laissais quelques jours, 5 jours et tout. Le rasoir du futur, en fait, il faut déjà raser 1 mm et après tu rases le reste. C'est ce qui me saoule un peu. C'est le cadet. Le KD14 que j'ai vu, qu'on a recruté. Bon, les archives. Qu'est-ce qui se passe autour? Je regarde pas trop. Ouais, oh, la lumière! Certaines valeurs. C'est pas chez tout. Non. La radio. Tableau de service, bim. Radio 258.7. 18 prise de service. Ah, je crois que je dois refresh. Ouais, c'est bien ce que je pensais. 280.2. 24-15. 50-17. 10-0-0 SPD. 10-4. La question, il y a une question de Eomer, je sais pas si t'es toujours là. Eomer. Là, Eomer, ouais, il est là, il doit être là. Est-ce qu'on verra revoir commenter des games de pro de Quake? Non, je pense pas. Hein.
Je pense pas du tout, à part s'il y a un truc autre, mais... Il y a 18 prises de service. De là... On s'en fout. Non, j'étais dans le carte à cœur et... Vraiment. Vite, prise de service. 10-4. Ah, ouais, ouais. Je connaissais pas le jeu, juste le renom. Et voir ta prison technique sur le. Ah, bah ça me fait plaisir. C'était gentil de ta part. Ouais, il y a eu un 10-0-0 juste après là. 60 prises de service. C'est double clair. 10-4. Véhicule de queue prêt. Véhicule de tête prête. Départ, Henri prêt. Convoi. Qui ? Ah, ok. Alors vous avez même pas fermé. Ah non, j'ai pas eu le temps. Déjà une grosse erreur de votre part. Bonsoir Balosto. Oh, bonsoir Kadem. Comment allez-vous? Et votre gilet pare-balles, lieutenant, il est où? J'ai pas eu le temps de le mettre. De mettre ah, dès que d'accord. Je sors. Comme moi, j'ai pas eu le temps de sur un transfert en plus qui est spoté par des motos depuis tout à l'heure, vous avez pas peur, vous? Ah bah ouais, je ne savais pas du tout. Mais attends, mais c'est un transfert de quoi? Bah, t'es-y. Bah, ok, bah, je viens d'arriver, j'ai pas de tourner ou tout. Ah. On va où là? Ah, la Gouve. Je trouve que c'est un transfert. J'ai vu la voiture, genre de transfert, j'ai dit tiens, c'est un transfert de fédéral, je vais aller voir ça. Un transfert de pénitencier. C'est juste qu'on l'a spoté depuis je sais pas combien de temps là. Ah ouais? Donc on. Ouais, voilà. Il y a plein de véhicules qui tournent autour. Hein. Okay. Et comme ils savent, on a mis plus de moyens. Bah, c'est où les moyens? Parce que là, j'en vois pas beaucoup là. Un hélicoptère. Un hélicoptère, c'est voilà. C'est ouais, mais c'est tout. Ouais, ça va pas nous aider sur le. Ouais, voilà. On a mis beaucoup plus de moyens. J'ai pas dit beaucoup plus de moyens, j'ai dit plus. Y'a un camion vide là-dedans ou pas? Non, non. Ils sont tous pleins. Le blanc, y'a les armes. Ah, au milieu, ouais. Le voleur, c'est MST. MST, ouais. La galère, par contre, le vestiaire avec les sacs, on peut pas les mettre. Non, on peut plus. Ah bon? Non. Bah le vestiaire, la porte du vestiaire se referme en fait une fois qu'on s'est mis en équipement. Ok bah. Donc on peut pas mettre le sac. Ouais. Ça a été prévenu? Ça a été dit J'ai mis un message mais on verra bien. À l'équipement entier. Oh j'espère qu'ils y... J'espère qu'ils ont réglé le souci de la dernière fois là. Ouais, on devait ouais, faire un par queue. Un là. Ouais. J'ai demandé, mais bon, je sais pas si le gouvernement a redemandé. Ah, c'était à la queue bleue? Ouais. 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 66 qui est perdu. 30 ou 30. Il demande sur la radio MST, c'est pas bon. Pavlos ici, les moins il sera plus prendre l'otage. Merci. Quoi? Pavlos ici, il sera plus prendre l'otage.
prendre l'appel à l'accueil, s'il vous plaît. Oui, vous m'autorisez à monter au-dessus du gouvernement? Comment ça? À l'extérieur, juste pour voir. Oui, si vous voulez. Ok, merci. Mais c'est si proche de ce que ça... Ah mais what the fuck. Ah j'aime pas... Ah, c'est là en fait. Non, non, on a une porte, non? Même pas. L'essence là, ouais, dehors. Là. Service. 10-4. 80, prise de service. 10-4. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Moi, ouais, ça va et vous? Ça, ça va. Vous avez visité les nouveaux locaux? Non. Moi, je, là, j'étais en train de voir l'extérieur en fait, voir comment on pouvait monter. Si on pouvait monter de combien d'échelles et tout. Parce que là, c'est ce que je viens de faire juste pour voir. Pour... Ouais, bah, il y a des accès, je crois, sur, pour l'hélipad par là-bas, il me semble. Je crois que les accès sont que pour vous et les. J'ai pas la clé. Je crois.
Ah non, bah c'est une échelle. Ah oui, non, mais ah oui, mais vous avez pas de ascenseur ou autre? Ah si, si, on a aussi un ascenseur, oui. Ouais, normalement, ça devrait être pour tout le monde. Après, ça ouais. dépend en quel étage, mais pour l'hélipad, en théorie, on peut l'utiliser. Il arrive où l'ascenseur? En bas de l'escalier? Ah oh, bah on peut aller voir si vous voulez. Oui, ça dérange pas. Ouais. J'étais à l'hélipad, c'est là où il y a l'hélipad avec la pompe à essence? Ouais. Ok, et je suis allé là-bas et je voyais pas d'ascenseur ou de porte. Il est juste en face, en théorie. Vous êtes arrivé en hélico peut-être? Non, je suis allé à pied, je vais à pied. Monter l'escalier. Ouais, il y a l'ascenseur, hop. Ok. Et du coup, c'est étage hélipad. Ah ok, bah j'ai pas vu tout, ok, ah oui, ok. Ok, et c'est, ah oui, c'est quand même un peu, bah, pas loin, mais ouais. Okay. Ouais, c'est un peu éloigné, ouais. Vous êtes d'accord que pour venir ici, vous devez faire un petit jump quand même, non? Pour descendre de l'hélipad? Ouais. Ouais, faut... Ouais, ok, c'est bien ce que je veux dire, oui, voilà. Mais après, bon, on se fait pas trop mal si on descend... Oui, par le, mais... oui, voilà, pour le conteneur ou n'importe quoi, mais oui, ouais. Okay. Ok, 80, enfin, ouais, le SMS bon. Nous informe que merci. Monsieur Yenzo Kedri va sortir. 10-4. Allez, vas-y. Adam 34, on va y aller, c'était notre intervention. 10-4. Ouais, je comprends. Vous avez combien d'étages ici? 2, 3. Hey! Ah, ils sont capricieux. Ouais. Il y a deux étages en plus de celui-ci. Quoi. Ok. Vous avez un bunker? Oui, on peut y aller, oui. Ah, mais je demandais si vous avez un bunker, ok. Vous avez un bunker. Ah oui, 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 on a un bunker, oui. 36 Lincoln, j'ai plus de nana après. Escape. Utilisable en cas d'attaque. Oui, oui. Vous avez vu, on a un petit nouveau cadet, la Prometteur. Pour? Un petit nouveau cadet, Prometteur. Ah oui, j'ai vu ça. Bah c'est cool en vrai. Hein. Adam 34, enfin, direction ça doit l'hôpital pas être pour quand même de tout recommencer, suspect. Mais... Non, il est pas mauvais, Ville de Loup. C'est plus pratique qu'auparavant, non? C'est un peu plus simple, on va dire. Après, vous savez, je sais que... 47 et 80 devient Adam 80. Il aime les courses poursuites, donc au moins comme ça, il sera toujours sur le terrain. Ah oui. C'est l'un des meilleurs pilotes. C'était l'un des meilleurs pilotes de SPD. Bon, là maintenant, peut-être que ça a changé. Hein. Ah bah, un bon élément, quoi. Le camion est vide. Merci. Ah, c'est fini. Quel. S'il vous plaît. Et 04 level lock. Merci. Scott. Formation premier secours.
4. Nous avons 10-31 encore sur une moto, on est en train de descendre l'hôtel Bigorre en direction sud. La personne est au téléphone. Zavakata s'approche. La moto c'est un petit peu japonaise à coup de shoot, tout ça. Descate. On redescend Kherson sud. Et on reprend Dutch London direction est. Elle rentre chaud direction est, pardon. Ça a moins à courir que l'ancien groupe, c'est génial ça. Il y a un 10-31 en cours sur le même type de moto, c'est peut-être une clochette. Attends, mais y a pas à rentrer dans un bâtiment, à se faire chier, à traverser tout le truc. Et l'autre moto, ils étaient deux aussi. Moi j'ai un type seul sur une moto noire type japonaise, capitale direction est. Mais c'est pas sur le trajet, non? On va dans les champs de pétrole. Enfin, zigzag, l'autre c'était les droites. Ouais, mais je veux dire, enfin c'est direct quoi. Une autre unité sur 90, s'il vous plaît. Il y a pas de... Ah, ça, ça va prendre. À date 60. Puis pour le vestiaire, ce sera bon demain. 4 ans, on se rapproche. C'est 4. Nickel. Bon bah on y go. Là, il est trop. C'est bon. Au niveau de la là, s'il vous plaît. Supply Street Sud. Bonjour de Populaire. Oui, bonne soirée à vous. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Bonne soirée. Bon courage à vous. Bonne soirée. Bah allez, bonne soirée. Les motos perdues du... Ok, disquette, nous on va rejoindre la substance. Et on est toujours dans les champs de pétrole. 4. On est toujours en direction ouest. Il y a une moto en fraude. Attendez, il y a une moto. Il y a un individu en blanc, 90 10-4 en blanc sur une moto noire. Il est sur les rails au niveau de Populaire là. Attendez, mais ça tourne le rail. 10-4. Et merci 10-4, beaucoup, MST. Vous faites un travail formidable. Oh, ça suit à l'MST. Je suis suspension nord pour moi. 10-4, quel niveau? Il repart sur les rails. Personnellement, je reprends la route de El Bourou là. Ok, du coup, je suis en 101 sur la moto sur Populaire Street Heroic. Prenez les codes 09. Ok, on est Elgin direction nord. C'est sur celle de 90 ans. C'est de... Bah Marie, vous y allez. Bridge Street Est. Bonjour les taxis. Parking Casino. Le transfert, on rejoint. Vous avez pas besoin de code 2. Nord Park Boulevard, ouest. Ruelle pour rejoindre Clinton. C'est qui non? Appelez-le. S66. L'appelez. Clinton Est, Ouest. Ah, il s'est planté. Il est enlevé. Le scap. Oh non, il est pas enlevé. Ça se passe. 10-20-04. On était au-dessus de vous, mais je pense que vous l'avez pas vu, et du coup, j'ai perdu. Oui, j'attends. Vous avez pas besoin d'être en code 3 pour entrer, hein? J'étais en code 2, mais oui. Oui, code 2, ça, pareil. Ça marche parfait. Il faut pas montrer les mauvais points au cadet. Il est toujours en code 2 là, ils sont de la gueule ou quoi? Vas-y, maintenant, c'est vissé. Et je le vois plus là. Eh, hey, toujours. C'est pas lui, je crois. Hein. Non, ça va être ok pour votre contrôle, vous pouvez continuer quand même, Marie. À droite, ouais, c'est pas lui, c'est pas lui. 60 ans, on se rapproche du point 09. Ouais, c'était bien. Bon, ça devrait le faire pour une unité qui suit en fond arrière simplement. 10-4, 10-4. Hop. Hop là. Donnez-moi les clés de votre voiture, s'il vous plaît. Oui, alors
En fait, il y a comment ? Il y a Baudin qui est en formation, qui a laissé son FAB dedans, donc j'allais y aller après le. Ok, bah. Donc je te fais quand même un doublon. Ouais. Voilà. Occupé. Merci, j'allais mettre à l'air mauvais. Du coup, 02 et 36 deviennent Marie et début de patrouille. X4. X4. X4 qui rate un retour radio. X4. X4. Vous êtes là? X4. Donc Ah bon? Ah oui? Ah bon? Mais les gens qui sont étonnés. Ah bon? J'ai des j'ai de l'argent marqué. Je comprends pas comment c'est arrivé dans mes poches. En vrai, c'est une première fois, c'est marrant. Parce que... T'as raison de faire ça, mais si on l'a arrêté au moins 4 fois et qu'il fait la même chose 4 fois, ça me tue. Ah bon? De la drogue sur moi? Non, oh, c'est pas possible. 19 avec une personne. Il doit avoir une erreur. Quelqu'un m'a mis ça dans la poche. Bien sûr. 64. C'est inadmissible. Je ne comprends pas. Il y a sûrement une erreur. On m'a mis ça dans la poche. 64. Oui. Je présente un nouveau cadet. Oui, je l'ai vu, bah je l'ai vu tout à l'heure là. Ah. Bon, bah. J'espère qu'il va être bon parce que bon. Et je veux pas dire, mais les véhicules sur le parking, moyen quoi. Après, s'il reste devant, ça va, mais. Oui, c'est bon, oui. Ouais. Donc voilà. Il attend de leur refaire, je crois. Attendez. Hop, pardon. Mais... Aïe. On a des unités côté Carson Innocence. Dites-moi. Ouais, oui. Est-ce que vous pouvez mettre vos voitures dans le garage, même si c'est 5 minutes, parce que vous montrez le mauvais exemple au cadet, ok? Oui, bien sûr, bah, en fait, à la base, on devait repartir de suite, mais il y a 5%. Si c'est juste 5 minutes, même, c'est la même chose, parce qu'il faut pas. Ouais, vous inquiétez pas. Ah, merci. Madame 80, on est au croisement de Jameson Street et Carson Avenue. Escape. Bon. Non mais à tous les académies en fait. Le problème de s'arrêter tout le temps là, même si c'est pour 5 minutes. Et le souci du Sur un site d'ici 2 minutes. On a des unités qui ont tourné un petit peu au niveau des canaux des brokers ces dernières heures là. J'ai fait un passage rapide. J'ai fait tout à l'heure, mais c'était il y a 4 heures. Tout à l'heure, il y a eu des patrouilles 02, mais ça fait quand même sûr. Discat, oubliez pas ces autres. Discat. C'est autoroute aussi. Et 10-29 au croisement Elgin et Adam s'appelle Boulevard sur une sportive blanche. Escape. Vous avez une unité? 10-5. Escape. Adam 80, on se dirige vers les canaux au sud de Grove Street. D4. Attends, ouais. Ça devient Adam, début de port d'information poursuite. D4.
M49 direction Bénis. 4. Ah, je préfère, moi je suis friand de la radio qui parle un peu, tu vois. Un peu pas, tu sais, qui me parle, quoi. Bah, j'ai du. J'aime bien quand les gens racontent leur. Pas racontent leur vie, mais. C'est rallonge, tu vois. C'est dommage que c'était vraiment genre 2-3 lignes, enfin, 3 mots et c'est tout, quoi. Je pense que c'est bien d'avoir 5-6 mots et après, bah, c'est pas grave, tu sais. Des fois, je trouve que des fois, on était trop agressif en disant ouais, racontez pas vos vies, alors qu'il a juste. Alors c'est deux mots de plus, tu vois. C'est vrai que moi je fais exprès de mettre des. Je mets une info, elle est un peu rallonge, tu vois. Ouais, c'est bien où la radio rigole, mais il y a des moments où on peut pas rigoler, quoi. Là, pour être honnête, là, c'est dur de rigoler alors que dans 6 jours, on peut perdre le commissaire et le capitaine, quoi. Voilà, c'est Philly Games. Allô. Allô. Oui. Allô. Ouais. Dis-moi, j'ai arrêté un mec là, ouais. Qui était en course poursuite et en fait, en faisant la course poursuite, il a percuté quelqu'un. Ouais. Un civil quoi. Et ouais. Le civil est décédé. Oh. Bah, homicide involontaire. Homicide involontaire. Hein. Ouais. Il va devoir aller au pénitentiaire, on est d'accord. Tout à fait. Et je mets quoi là. Homicide involontaire. Ouais. Bon, mais on va sur ton radio. De quoi? En durée. Le mari, il a fait exprès ou pas? Amende concernant sa vitesse et il était en refus d'obtempérer et qui il était dans une ruelle, c'est monsieur Feng. Ah, c'est un lambda. Un lambda ouais. Et ouais, le truc, c'est qu'il est sorti de la ruelle et le piéton traversait quoi. Donc il l'a percuté. Les médecins et... ont dit qu'il est mort? Oui. Oh la vache. Ouais, ouais mais on est aussi d'inventaire. Hein. Ah, mais. J'espère que le mec n'a pas voulu se suicider. Et bah oui, ça c'est le problème du. Est-ce qu'il a voulu se suicider et autres, mais après, vous avez vu le trajet ou pas? De quoi? Vous avez vu le trajet de. Est-ce qu'il pouvait l'éviter ou est-ce qu'il s'est jeté? Bah lui il était à moto. Donc clairement, à moto il roulait beaucoup trop vite, ça c'est sûr. Et le truc. Bonsoir docteur. Attendez, je vous ouvre la cellule. Vas-y, sortez de la cellule. Je vais faire Benny Zafroya. Il faut que. En fait, le problème de cette histoire-là, il faut que voir si le. Est-ce qu'il est mort sur le coup? Est-ce qu'il était déjà mort avant? Est-ce qu'il était proche de la mort? Non, il l'a percuté. Ah, il a vraiment percuté sale, quoi. Okay. Ouais. Ouais, bah rien. Bah, ouais. Homicide involontaire. Putain, c'est combien ça? C'est très cher. C'est 50 000, je crois, non? Et. Après, c'est dur parce que. Le problème, c'est que c'est un petit, c'est depuis combien de temps il est en ville? Il. Bah attends, mais s'il est en train de se faire soigner, mais ça fait pas longtemps. Sinon, les amendes, c'est combien les amendes? Ah, au ministère de l'Intérieur, c'est 50 000, je crois, non? Regardez, 80 000. Attends, je regarde. Ouais. C'est bon, docteur? Ok, bah venez monsieur Feng, je vais accompagner la cellule. Allez-y, entrez. Je referme. Ouais, j'arrive. Je peux vous laisser remonter, docteur? Super, merci à vous. Attends, je regarde un monde. 50 000. Et 66-23 devient la dame. 50 000 balles, ouais. Soit on lui met 50 000 balles et 3 heures de fédéral, 4, et soit on lui met. Ouais, le problème c'est que. De Marie, on va se mettre au niveau des canaux pour aller vider les voitures. Escape. Attends, j'arrive. Vas-y. Escape. Il y a toujours un Caracara sur Carson et toujours une Comet Safari dans la route, dans la rue de. En parallèle de Carson. Escape. Prends dans le street. 9-04
Si vous parlez de celle devant laquelle je suis, c'est Covenant Avenue. D'accord, merci. Vous avez fait, enfin, normalement, s'il y a de la prison, il y a tout ça. Mais plus, moi, j'ai besoin de savoir un peu ce qui se passe. 85-84 devient Adam. Bah, vous me poursuiviez. On est d'accord là-dessus. Oui. On passe au niveau de la ruelle. Oui. 4. Il apparaît d'un coup devant moi, enfin d'un coup en marchant, mais assez rapidement. J'ai pas eu le temps de le voir. Et là, je le cartouche en essayant de l'éviter au dernier moment. Voilà, c'est tout. Et du coup, je me suis arrêté parce que bah justement, j'avais pas envie de. Oui, vous êtes arrêté direct. Je suis d'accord. Ah voilà, lieutenant, vous avez entendu du coup. Oui, 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 bah mettez-le en cellule et je vais voir de mon côté. C'est fait, c'est fait. Voilà. Homicide involontaire. Oui. Ça va vous coûter cher. C'est une amende minimum de 50 000 dollars. Hein. 75 francs 27 au poste. Ouais, vous avez tué un homme. Hein. Ouais, 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 je m'en rends compte, ouais, mais. À 50 000 dollars, t'as fait mal quand même. Ça fait combien de temps que vous êtes en ville? 2 semaines. Oh putain. Ouais, ça fait mal. Ouais, bah ouais, mais bon, ils ont pas pu les sauver, putain, ça va être un choc de fou. Ok, bah. Vous êtes en cellule là? Ouais. Bah oui, je suis en face de vous. Attends, vous pouvez aller au fond de la cellule, s'il vous plaît, et revenir? Merci, c'est bon. Je vais refaire confirmer, hein, mais on m'a appelé pour me dire ça. Hein. Eh bah, c'est les médecins. Oui, allô? Oui, vous me confirmez, hein, la personne est décédée. Hein. D'accord, ok, très bien. Ils sont partis, ils savent que la personne est morte de quoi ou. Oui, je vois, très bien. Bah du coup, tu vas prendre cher. Ok, je vais voir ça. Très bien. Ah putain. Ok. Bah là, je peux avoir un avocat du coup. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle est finie pour les SMS. Allez, je vous faire sortir de la arme. Vas-y. Je vous donne. Vous avez les numéros, c'est bon? Ouais, il doit être sur un voisin news, ouais. Ouais. Vas-y, donnez. Il veut un avocat, hein. D'accord, ok. Ouais, je comprends. 75 Lincoln, début de patrouille. Et 5 minutes, de quoi? 14. Ouais, attends. Si vous avez besoin d'un numéro, n'hésitez pas. Bah si vous en avez un qui est réveillé, enfin si vous avez la connaissance d'un qui est réveillé, ça serait cool, mais... Bon, essayez d'appeler tout le monde, hein. N'hésitez pas. Ouais, hein. Bah, j'essaie déjà les numéros que j'ai enregistrés, mais... Je pense à tous les enregistrer, ça serait mieux réglé. Ah, lui il a raccroché. Ah, attendez. Oui, docteur. Ah, ils l'ont peut-être réanimé. J'espère. Espérons-le, hein. J'espère pour vous, hein. Non, j'espère pour moi aussi, mais j'espère pour lui. Partant qui répond. Bah tentez encore, vous avez encore quelques minutes. Ouais. Après si quelqu'un a raccroché, c'est-à-dire qu'il est en. Il est peut-être en contact avec quelqu'un d'autre. Donc, Ah oui. Ça le rappelle plusieurs fois. Ça
C'est vraiment l'accident con en plus. Ah bah... C'était quoi, c'était sur la route ou sur le trottoir? Sur le trottoir, je suis passé par une ruelle et il était sur le passage piéton, et... enfin, sur le trottoir. Et... Ouais, le trottoir c'est encore... Ouais, vous avez tenté tout ce que vous pouviez pour vous échapper. Et... Ouais, après, pas nécessairement tout ce que je pouvais, j'aurais pu faire d'autres choses. Puis... Oui, bien sûr, bien sûr. Sûr qu'avoir fui parce que j'avais pas le permis, c'était pas la meilleure des idées. Vous étiez pas en flag, c'était juste le permis? Alors c'était juste le permis. Ah, pour une fois, j'étais pas en flag. Putain, non, vraiment, c'est encore pire quoi. Juste pour le permis quoi. Ah oui, oh, bonjour maître, j'ai oublié le nom, j'ai appelé un numéro au hasard. Alors, je vous explique, je suis actuellement au LSP pour une affaire de. Alors, il y a délit de fuite, mais ça on s'en fiche. Homicide involontaire. A dû y devenir. Ouais. Allez, SPD. C'est qui d'agent que j'ai en face de moi? Dites inspecteur Lorenzi et lieutenant Balosto. Inspecteur Lorenzi et le lieutenant Balosto. Mais au pire, venez, c'est moi. Oui, il peut venir. Madame 35, Innocence Boulevard. Oh. Vraiment? 76 dans les canons. Vu que c'est important quand même, c'est. Dis quand même, ça parle d'un homicide volontaire, d'accident de. Adam 80, on est dans les canons côté de la MSA. C'est tout sourire. On a pris fille, oui. L'enquête, je suis sur Michel. Bon bah, je vous remercie quand même. Pour une Monsieur Feng. 90, croisement Alta Davis. Bah c'est le lieutenant qui est là, mais oui. Est-ce que vous êtes d'accord de reporter son arrivée parce que tous les avocats sont actuellement au gouvernement? Dans combien de temps? Demandez dans combien de temps, parce que le problème c'est que on a les... Ah, dans combien de temps? On a les protocoles, on a les... Il a dit ça, je peux pas vous dire, ça dépend du gouverneur. Ouais, non mais c'est mort, il n'y arrivera jamais... 24, il sera trop tard, on peut attendre un peu, mais... Le lieutenant 40... dit on peut attendre, mais ça sera trop tard. Ouais, dites-lui que vous êtes rentré à je sais pas combien de temps, vous avez 45 minutes, on peut attendre la dernière minute avant de procéder la peine, quoi. Il est en train de demander au gouverneur. Ok, ok. Ah bah il arrive. Ok, parfait. Ok, bah il arrive. Donnez-moi le téléphone, c'est bon, il a... C'est qui l'avocat? Ouais. Ils sont tous en réunion au gouvernement. Les avocats. Ah d'accord. Yo Mononi, merci à toi pour le raid. C'est qui? C'est 12 et quelques. 12 et quelques, 12 et quelques. 1278, je sais pas son nom. Tiens, c'est toi. Monsieur. Bah, j'ai plus son nom. Allez-y, rentrez. Y'a ta botte. Hop là. Je vous ferme derrière. Ouais, je vous avoue, je les ai tous appelés dans la panique, donc je vais pas regarder les noms. 1278, c'est ça? Ouais, t'es tête là. Cannes. Maître Cannes. Donc, je me souviens bien que la personne est décédée. Hein. Ouais. Oh putain de merde. Vous êtes rentré là à 22h37. Là, vous avez un avocat, on va passer à 45 minutes en garde à vue. Yeah. T'as toujours pas besoin de boire à manger, c'est ok? Bah non, bah j'avais fait le plein quoi. Vous pouvez parler maintenant? Oui. Oui. On partirait sur quoi du coup? C'est homicide, c'est ça? Homicide volontaire? Ah oui, y'a rien d'autre. Hein. Il bah, a... En fait, le problème c'est que il a. Juste pour un permis, il a. C'est même pas sur la route. Il a pris le trottoir en moto. Donc ouais. Il a pris tous les risques et ça a tué... Après, il a pris la ruelle et c'est en sortant de la ruelle qu'il y a un piéton qui était sur le trottoir qui a traversé. Quoi. Ouais, voilà. Et le problème, c'est que sur le trottoir, quoi. En plus, c'est vraiment très. J'aurais été sur la route, et encore. Enfin, c'est quand même. Oh, c'est dur. Hein. Le médecin, il nous dit ça, c'est un mort. On va devoir. Il doit quand même payer, quoi. Je vais voir avec le. On va voir avec le commissaire, là, vite fait, s'il peut me répondre, mais. C'est dur. 36, 36, quelques minutes. Ah.
On met beaucoup de... Est-ce qu'on met une... Ouais. Une personnalisée et beaucoup de pénitentiaires. Qui est là que depuis 2 semaines. Ouais, c'est ce que je demande. Ce genre de truc, quoi. Pour 24, rappelez-moi s'il vous plaît. D4. Adam 80, 1929A sur Little Bighorn Avenue et Alta Street. Atlee Street, pardon. Même en réfléchissant, comment on peut baisser ça? C'est-à-dire quelle amende on pourrait mettre? C'est le problème. Je regarde. Je vais retourner sur place. Ah, pour ouais. Ça vous faites un 19 parce que et 75 au parti 19 et 84 au parti Alexandre 15 et 35 au parti Nicole. Tu vois. Ouais, mais dans tous les cas, c'est la même chose. En fait, le problème qui est, c'est que même s'il a, il était mal positionné, le piéton, ou même sur la route, c'est quand même un homicide involontaire. Oui. En fait, c'est, il est mort. C'est ça le problème, c'est qu'il est mort. Et il peut être mort n'importe quoi quand on est en véhicule. C'est ça le problème, c'est que quand on est en véhicule, c'est le piéton qui a tous les droits. Je sais bien. Donc. Parce que c'est des coups et blessures ayant entraîné la mort. Ouais, ouais, mais bon. Le problème, c'est que il faut qu'on. Ouais. Sinon, on peut enquêter aussi. On peut avec l'avocat, on voit et on voit si le mec s'est suicidé, s'il a sauté dans le truc, sur la moto. Enfin, il faut qu'on on peut enquêter là-dessus, mais est-ce que ça va vraiment. Oui, bah tu vois, enfin. Je pense que ce serait peut-être intéressant, ouais. Ouais. Après, t'étais sur le place, c'est ça? Oui. Bah, je pense que tu vas t'en occuper, on va voir avec l'avocat. Ça marche. Bon, bah. On va voir avec l'avocat. On va attendre l'avocat qui va arriver bientôt. Et donc comment ça se passe, c'est qu'on va arriver dans une petite salle, vous allez parler avec l'avocat en chuchotement dans un coin, nous on n'écoutera pas ce que vous dites, et après quand on rentre pour poser des questions ou autres, il faut que vous parliez fort. Quoi. Ok, t'as marqué. Voilà, tout simplement. Ok. Vous avez combien sur votre compte bancaire Je dois avoir 40 000. Ouais, on est dans les environs de 40 000 dollars. Ok. C'est moins grave que ce que je pensais donc. Mais bon. Ouais, bah. Non, 04 pied à terre, place Wolf. Oui, non, mais clairement. Bon. C'est quoi votre nom? Comment s'écrit? F. C'est les maris, tunnel. F-U-N-T? G. 4. Peng. Je vais aller voir. Disons tête à queue. Et le nom complet du coup t'es Bafeng. Bah, je vais voir votre. Scott. Mais je fais demi-tour là, j'ai pas envie de mourir. On doit y avoir deux rappels à la loi. Oui, Scott, oui. On m'a topé pour de la cocaïne. Et un délit de fuite. Adam 80, et il y a un truc avec les armes aussi. Sur Monsieur Jack Kahn, simple rappel sur sa vitesse excessive. Mais j'avoue que là c'est un peu plus grave quand même. Donc, Ouais. C'est pour ça que c'est involontaire, mais. Ouais, mais ça reste quand même un homicide. Oui, clairement. Prendre la vie d'un homme, t'es pas rien. Alors, détention de drogue standard, vous avez minoré, permis sans arme.
Rappel à la loi, délai de fuite et rappel à la monnaie, ok. Moi, des petites conneries, quoi. Ah, l'avocat est là. On va vous faire sortir. On va attendre un peu. Et hop. 10h80, prise de patrouille. 10-4, Adam 60, vous allez vous mettre au croisement Innocent-Carson Nord, en lock. Les maris, vous allez vous mettre dans les canaux. Bonsoir. Adam 66, vous le mettez au croisement Strawberry-Innocence. 35, vous allez vous mettre au croisement McDonald-Royal-Lomachstein. Adam 47, vous allez vous mettre Davis-Innocence-Boulevard au croisement. Adam 84, vous allez mettre Davis-Alta. Et 04, vous allez mettre croisement Covenant-Roy. 10-4. Ah, je sais pas comment ça va se passer. Hein. Après, ça va, il a 40 000. Je pensais qu'il avait de 20 000, 10 000. Ouais, bah, surtout le casier, ça fait mal quoi. Vous tournez autour. Ah ouais. Hein. Après, je trouve pas que ça fait mal. Hein. C'est écrit, c'est involontaire. Ouais, bien sûr. Bah, faut préciser un peu dans les motifs quand même. Du coup. Autour oui. Aussi, au cas où des renforts sur le contrôle. Et en fait, enfin. 4. Même si la personne était suicidaire, je suis en train de me dire que dans tous les cas. Oui, c'est quand même. Bah, la finalité, c'est la même quoi. Ouais. De toute façon, c'est 50 000, on pourrait mettre 2-3 heures quoi. Ce sera sa première, oh, ce sera première prison. Oh. C'est terrible, hein. C'est terrible ce qui lui arrive. C'est terrible, mais oui, mais bon, enfin, il a. Il faut qu'il fasse attention. Ça lui... un lock, il a pris tous les risques, hein, de toute façon. Oui. S4. Il s'est arrêté direct, hein. Il a vu qu'il avait fait une connerie. Ouais, c'est pour ça que ça. Ça atténue, quoi. C'est pour ça que. Je pense qu'on va lui mettre que 2 heures. Hein. Je rappelle, c'est ma position là. Ouais. En fait, normalement, au homicide involontaire, c'est quoi? Ce serait 50 000 et 7-8 heures? 10-4. Ouais, 6 heures peut-être? Ouais, 6 heures, je pense. 6 heures. Enfin, ce qui est prévu, 6 heures et 50 000. On va voir avec ce que va dire l'avocat, quoi. On va réduire, je pense qu'on va le réduire à 2. Il y a l'avocat des bonnes. Ouais. Et normalement, c'est 6 et 50 000. Tout ça c'est pour un putain, c'est pour un permis. Tout ça pour un putain de permis, ouais. Et pas sa moto. Il avait rien de clean, il avait tout clean. Ah oui, il a rien, ouais. Enfin, sa moto. Heureusement que. Enfin, j'ai regardé ça. C'est dur ce que je veux dire, mais heureusement que c'est pas. Une personne qui avait jamais fait de conneries, quoi. Ouais. Ah bah ouais, là ça aurait été. Catastrophique. Mais là. Et au moins ça lui prendra, on verra ce que va dire l'avocat, ça va m'intéresser. Retour radio. 10-4. Donc l'étape c'est délit de fuite, conduire sans permis et homicide involontaire. Ça les trois. Hein. Ouais. Il y avait rien d'autre. Non. Ah. Dommage que c'est pas tombé. Dommage que c'est pas tombé avec un broker, ça il aurait pris 12 heures et 40 et au homicide volontaire. M80-1029A sur une tailgater noire sur Innocence. 10-4. Depuis quelle heure il est là? Il y a depuis 37, je crois. Là, mais enfin, peut-être les. Bah, du coup, ils ont 45 minutes, quoi. Ah oui, mais c'est. Les brokers bah, ouais. Sur McDonald's Street sur un toit. C'est. 10-4. 37, ouais. Je sais pas pourquoi tu l'as dit, et ils ont 15 minutes. Bah, ils ont le droit à 15 minutes, hein, à discuter, hein. Ils veulent, hein.
où ça? Bah c'est dans le truc des avocats là. Braquage. Kilomètre. Bonsoir. N'hésitez pas à parler fort. Bonsoir, oui. Pas de vidéo fouille, oui. Bon, on en fait pas. Adam, 3, 4 km 6, on serait en centre braquage. Pire, 8 ou 5 km. Bah écoutez, 4 sur lock, il reste en lock et c'est. Maître, je vous ai énoncé un peu ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait, tout à fait. Monsieur Feng bah, là, s'est arrêté hein, immédiatement. Mm-hmm. Alors, percuté à personne. Ok. Maintenant, vous savez ce qu'il est en cours. Hein. Ouais, malheureusement, oui. Voilà, donc c'est une amende qui peut s'étendre à minimum à 50 000 $. Ok. Et bah, une peine de prison, quoi. Ouais. Maintenant, quels sont vos arguments un peu pour. Alors, j'ai discuté avec, avec mon client, bien sûr, qui reconnaît tout à fait les faits, il n'y a aucun problème là-dessus, il est pleinement conscient de ses actes, et c'est pour ça que tout de suite il s'est arrêté, comme vous l'avez dit, il a essayé, il a montré quand même une accointance à sauver avant de se sauver, du coup. À l'heure actuelle, 50 000 $, ça mettrait mon client dans une grande précarité financière, dans le sens où son compte passerait clairement en négatif. Ah, il nous a dit qu'il avait 40 000 $, c'est ça ? Bah oui, c'est ça. Du coup, moins de 10 000, c'est pas négligeable, quoi. D'accord. Mon client se rend bien compte que c'est pas une situation qui est simple ainsi, et pour vous et pour lui. Et il est prêt à totalement assumer ses actes, il a aucun problème là-dessus. La seule demande de mon client afin de ne pas le propulser encore plus dans un monde, disons, criminel, serait de faire un geste de votre part concernant l'amende, mais il n'a aucun problème concernant le temps passé en cellule, il comprend tout à fait que tout acte implique des conséquences. Je sais que malheureusement, à l'heure actuelle, le système du code pénal et ainsi que votre système d'amende est très compliqué à ce niveau-là. Il n'a aucun problème là-dessus, il le comprend. Il demande juste votre clémence là-dessus afin de ne pas sombrer, et de ne pas être en négatif auprès de la banque et de devoir trouver un moyen détourné pour s'en sortir. Maître, je sais pas si on vous a dit, c'était 50 000 plus 6 heures de pénitencier. Il est prêt à faire les 6 heures de pénitencier ? Je suis entièrement prêt à faire les 6 heures, même plus, si c'est nécessaire. Mais vraiment, moins 10 000 dollars, ça va me mettre beaucoup trop mal. Et si je travaille légalement, je fais 1 200 dollars par jour. Plus. Après, comme vous l'avez dit, inspecteur ouais. Lorenzi, ben, mon client a essayé d'y mettre du sien au maximum. Certes, une course-poursuite, je suis d'accord avec vous, et un refus d'obtempérer, oui. Je suis d'accord avec vous, c'est très grave. Malheureusement, c'est qu'un bête accident qui en arrive à ces termes-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais malheureusement, c'est qu'un simple accident, quoi. Je vais discuter avec le lieutenant. En termes de durée, là, il vous reste un quart d'heure, d'accord, de fin de garde à vue jusqu'à la fin de la garde à vue. Attendez qu'il arrive à 22h37. Ça marche. 22h37. Ouais, je vais discuter avec le lieutenant. Ouais, le problème qui me chagrine, c'est qu'il y en a rien à foutre des 6 heures de pénitentiaire. Je me doute bien. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème. Je suis d'accord. Il préfère faire 12 heures de pénitencier que perdre que t'as moins 10. Ça, c'est quand même. Et le problème, c'est que on peut pas réduire l'amende, quoi. Tout bien. Non, on peut faire un truc. Ouais. Non, échelonne l'amende. Je comprends bien que c'est compliqué. Hein. Comment ça ? Là, il paye 25 000 et dans deux semaines, il repaye 25 000. Bah, même 3 000, la banque elle va pas te kiffer tous les jours, quoi. Et c'est une possibilité.
Parce que le mettre à moins 10, tu sais très bien que la banque elle va lui courir après. Ouais, j'entends bien. Ouais, mais pour l'instant on a. Enfin, il faut demander. J'appelle le gouverneur là. Oui. Bah écoute, on a un quart d'heure. Au pire des cas, on condamne pas tout de suite. Hein, mais... Ouais, bah attends, oh, je vais l'appeler tout de suite. Ouais, ok. Tu travailles chez qui? Je vous dérange? Dis-toi. Alors, j'ai une question. Je sais que vous êtes gouverneur et ça va être un point important. On vient d'avoir quelqu'un qui était en course-poursuite parce qu'il avait plus de permis. Et le souci, c'est qu'il a écrasé une personne. Et il s'est arrêté tout de suite. Et la personne est morte. Alors, morte, décédée. Donc, c'est homicide involontaire. C'est quand même 50 000. Et la personne vient d'arriver il y a deux semaines. Il a que 40 000 sur lui. Il se mettrait mal à moins 10 et est-ce qu'il y a une possibilité de... Il n'y a pas une autre chose dans l'histoire ou c'est mort? Pour la loi, le nom de la loi. Bah après, il n'y a pas le commissaire. Hein. Non. Bah c'est... L'état-major qui est juge en soi, donc... Oui, je sais, mais je vous demandais par rapport à vous, par rapport à autre chose. Le problème, c'est qu'on est dans les... On est juge, mais le truc, c'est que il n'y a pas de jugement avec un mort. C'est-à-dire que comment on réduit 50 000 alors que c'est écrit au homicide inventaire, c'est 50 000, il n'y a pas de minoré et autre, voilà. C'est ça le truc. Il peut pas être à part à feu. Ouais, je n'ai aucune idée. Ok, d'accord. Bon, à part une requalification, mais il n'y a rien plus ouais, qu'il ouais, je pourrais faire. Ok, pas de soucis. Je vous remercie. Pas de soucis. Ouais, on peut rien faire. Ok, ok. On peut rien faire. Ouais. Bon, on va les dire, hein. On va juste leur dire. On peut pas échelonner la montre ? Non, pas. C'est-à-dire que. Une enquête. Ouais. Ouais, il y a quelques avancées qui vont être. Ouais, mais ça va être la même, ouais, ça va être la même chose de toute façon. Après, bon. Oui, mais attends, je peux pas t'en parler. Mais... Oui. C'est-à-dire que déjà, déjà, on est sûr au moins d'avoir tous les éléments avec l'enquête. Le médecin confirme bien qu'il m'envoie son rapport, qu'on a un truc clean. Et voir si le mec était pas suicidaire, on fait une reconstitution, tu vois, un truc propre. Ok, on va faire et ça. Et puis, bah, si ça se termine dans une semaine, ça se termine dans une semaine. Ok. Alors, on a besoin d'éléments supplémentaires, d'accord? Ok. Donc, on va mettre fin à la garde à vue là. Ça marche. Bah, une enquête est ouverte, sachez-le. Okay. Vous gardez le même avocat, monsieur? Oui, c'est lui qui débute l'affaire. Donc, on va ouvrir l'enquête et on va mener quelques investigations pour voir si on a bien tous les éléments concernant la personne qui est décédée, d'accord? Pas de soucis. Enquête à Marthe. Monsieur Feng, restez à la disposition de la justice, bien sûr. Ouais. Il y a un point important que je veux vous dire aussi, parce que je pense que vous êtes nouveau depuis pas longtemps. Ouais. Juste pour vous prévenir, pénitencier, c'est pas une cellule comme ici. Les pénitenciers là-bas, c'est à tout moment, chaque heure compte. Vous pouvez vous faire tuer là-bas. Il y a des gens qui sont des criminels depuis des années et des années. Donc je préfère vous prévenir que la cellule ici, bon, c'est tranquille. Mais là-bas, c'est votre vie qui en dépend. Donc à votre place, réfléchissez plus par rapport aux heures de pénitencier que le prix que vous allez payer. Parce que je pense que 10 000 dollars, c'est pas votre vie qui en dépend. Donc, je préfère vous avertir avant pour le futur. Parce que vous ne savez pas. Donc je préfère vous prévenir que là-bas. Ça rigole pas, vous pouvez mourir à tout moment. Voilà, c'était juste le petit point, d'accord? Ok, ouais, t'as marre. Parfait. Vas-y, continue, inspecteur, désolé. Ouais, excusez-moi. Je vais juste terminer là-dessus, mais je vous invite vivement à ne pas dépenser votre argent. Inutilement. Ah bah là, je vais pas le dépenser, non. Voilà. D'accord? Ouais, vous ne souhaitez pas. Très bien. Eh ben, on va vous relâcher, et puis, comme je vous l'ai dit, vous serez reconvoqué dans le cadre de cette enquête. Très bien. C'est bon pour vous, maître ? C'est parfait. Ok. Parfait. Bah, venez, monsieur Feng. Monsieur Balosto, vous pouvez rester 30 jours. Et bien sûr. L'auto est en fourrière. Ouais, Merci pour le petit Laïus. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais c'était compliqué. Non, il arrivait pas à tuer. Oui, mais c'est pas de soucis parce que des fois les nouveaux ils savent pas. Et ouais.
Bon, alors on fait ça parce qu'il est un peu dans la même niveau de thune, mais je ne sais pas si c'est possible qu'on va pouvoir réduire les 50 000. Je préfère vous prévenir. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Vu que c'est un homicide involontaire, on va travailler dessus, on va enquêter dessus pour voir s'il n'y a pas suicide ou autre. Okay. Et pour vous expliquer, pour la prochaine, je vais être carte sur table. C'était 6h et 50 000, et vu que vous, toutes les informations que vous pouvez dire, on peut réduire pas mal le pénitencier. Et on verra Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr, ça marche. Mais merci pour le petit Lex. C'était nécessaire que ça vienne d'un agent. Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Vous avez 10 000, c'est rien, je pense. Hein. Bah oui, je sais bien, mais lui, comme il vient d'arriver en vie, c'est compliqué, il voit que par ça. Merci. Pas de soucis. Allez, vous avez les. Allez, le revolver, le téléphone et le taser. Ok. Parfait. Vous avez tout ? C'est bon. Ouais, tout est nickel. Ouais, c'est souvent les nouveaux, ils savent pas que pénitentiaire. Bah ouais, puis. Enfin, ils pensent que c'est une cellule normale, donc il faut mieux leur prévenir que. Ouais, prévenir que guerre, tout à fait. Qu'il le retrouvait avec un couteau. Hein. Ouais, parce que quand j'ai entendu dire qu'il était prêt à prendre 10 heures ou autre, j'ai dit oula. Non, mais... ouais, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, mais c'est compliqué. Ouais, d'accord. L'enquête est ouverte. Parfait. Oui, considère qu'elle est ouverte ce soir, hein, d'accord. Ça marche. Parfait, je vais juste faire une copie de votre pièce d'identité, je vous la rends. Ah bah salut, bah. Oh bah salut. Voilà, monsieur Feng. Ouais, Feng, voilà, je vous donne ça. Voilà. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée à vous. Et bonne soirée. Au revoir. Pas tout, hein. Il y a peut-être quelque chose. Vous attendez quelqu'un, s'il vous plaît ? Oui, j'ai sonné, on a pris mon appel, mais j'ai pas de réponse. Ah, d'accord. Oui. Ah bah ça tombe bien, je voulais parler à une personne gradée, du coup. D'accord. Donc, très bien. Alors tout à l'heure, j'ai un employé qui m'a dit quelque chose d'un peu compliqué. Employé de. Rogers, voilà. Okay. Je suis cadre à Rogers du coup. Okay. Monsieur Lewis. Alors, il est rentré dans Rogers, donc mon employé, en moto, tout simplement. Il allait travailler. Okay. Et une patrouille de police est rentrée dans Rogers, à l'arrière. Comme ça, enfin, genre sans raison valable. Ah ? Sans raison ou c'est parce qu'il était poursuivi par lui ? Ah bah, moi, on m'a dit sans raison et j'ai un autre employé qui m'a dit qu'il n'y avait rien, juste pas de giro, rien du tout. Donc, Ok. Bah, je vais voir ça dans Ouais, je vais juste remonter. Je sais qu'il y a eu un rappel il y a quelques jours par rapport au. 09 qui allait à l'ESP 300. Donc, je voulais vous le redire du coup. 35 parce que l'arrière de Roger, c'est aussi une propriété privée. Ah oui, ça on le sait. Voilà. Okay, voilà, c'est tout. C'est juste pour vous le remonter. C'est nécessaire. Je sais juste. Que, ok, c'était il y a combien de temps ? Parce que je sais qu'on était en poursuite de quelques Merci beaucoup. Et alors c'est sûr que c'était avant 21h. C'était avant 21h15, c'est sûr. Après l'heure exacte. Les papiers. Ouais. 21h15, ok. Ok, ok. Bah, normalement, oui, normalement ils font au moins un petit klaxon pour voir si tout va bien. Ouais, c'est ça. Et ils sont mais même... là, y a rien eu. Ils sont même pas arrêtés, ils sont partis direct. De ce que je sais, c'est qu'il est reparti après ouais, direct. Ok, ok. Ok, bah je vais à ça. Bah désolé. Ok. Non, bah y'a pas de soucis, je vous le remonte et puis vous faites le nécessaire, je sais que vous faites du. On là-dessus parle très très fort. Sérieux ? Ouais, les Nier Watson. Ok. Parfait. Ouais, ah, merci à vous deux et bonne soirée. Ouais, pas de soucis, bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée. Raka qui est parti dans une petite ruelle direction Est, il devrait arriver peut-être McDonald Street. Alors, tu fais quoi ? Bah, je voulais partir en mari, mais en fait, il n'y en a plus. Eh ouais, tant pis. En fait, bah non. Maché. Non, reçu. C'est 90 à votre radio. 10-4. 10-29 à 10 off bois sur une petite sportive blanche. 10-4. 8, je suis à côté. 10-4.
Kara de retour sur Carson. Au niveau de Roy Lovenstein, mais plus haut de Carson. Un Brokers qui court, qui va direction Davis Avenue. Descap. Un deuxième. B sur Monsieur Jaeger RAS. 14. Alors radio, radio, radio. Un petit flair sur Innocence. Oh, il y a des subs là, merci à ZD pour les 9 mois, merci pour le Prime. Non, c'est pas la moto depuis Davis Avenue. Vous faites suivre, c'est ça? Le 10-5, on a la BF400 qui fait des petits tours au Strawberry Innocence, c'est tout. Qui balance des flairs aussi. 10-4. Merci à toi, oh là là, mais c'est un train de live, les amis, un train de live. Merci à Ulcomiel pour le Prime, merci à ZD pour le Prime. C'est Borou pour le Prime. Merci à Psychose Crazy pour les 16 mois. Merci à Wargolus pour les 8 mois. Merci à Vlad pour le sub, tiens, merci à vous, chaque sub comptez en point, merci à vous d'utiliser votre. Je suis à l'étage. Comment ça se passe? Ça va. N'hésitez pas à parler plus fort. Oui, on se prend des fers en temps, c'est nickel. Oui, c'est... on les aime, donc c'est très bien. Ok. Depuis 5 minutes, il n'y a rien. Ouais, bah c'est bien. Merci à toi, Matt Pif, pour les 11 mois. Ça nous lance des flares. Scott. Merci Chiwen pour les 5 subs offerts. Merci énormément, ça fait plaisir. Chiwen. Merci, merci, merci. Merci Malox pour le sub tier 1. Merci moi. C'est pour votre fidélité de continuer à se faire après autant de moi. Ah voilà. Je pense pas là. J'ai oublié de Carson. Au moins là, il y a ce trajet là, celui-là et l'autre après. Comète Safari Rouge qui tourne au milieu de Carson. Descat. Et sur McDonald Street. Descat. Au croisement Roy Lowenstein. Et 34, Adam 34, début de patrouille. 14. Merci, merci.
On est premier wagon rempli. Est-ce qu'on va remplir le deuxième wagon? Telle est la question. Et... 09 64 90 Vienne Adam. 10-4. Borxane, merci d'avoir les 7 mois. Et nous sommes à 27% du wagon 2 du train de l'hype. Je commande à bouffer ça, une bonne idée. Mérite. Ouais, je me respecte pas, je sais. La comète Safari est repartie sur Brogue Avenue. 10-4. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis le chef d'AFT. Oui. Désolé de vous déranger, donc pour notre flic à 68, on a identifié la plaque d'un des véhicules, c'est Atom. Atom, ah parfait, ok, intéressant. D'accord, merci. Donc là, on a négocié pour que un de leurs caracara vert fluo s'enfuit sans qu'on le poursuive ou quoi que ce soit contre deux otages. Vert fluo, ok, parfait. Caracara vert fluo. Voilà. Merci, bah, je vais dire ça. Si vous voulez. Ouais, c'est route 68. De 90, okay, merci. En détention, monsieur Hoff, tout à l'heure. Nous avons une Caraca orange qui va descendre dans le sud. C'est une Flika des Atomes. C'est Adam 106. Virtuel. Vertul, c'est incroyable. Vertul, merci énormément. Bah, si vous le voyez, Caracara, arrêtez-le, mais bon. J'aimerais moi savoir rentrer dans la Fuente. Vous savez par où il descend? Non, pour l'instant il est pas encore parti, il est toujours à l'Africa. Ok, Caraca, quelle couleur? Caraca, vert fluo. Ah, vert fluo, ok. Vous me direz par, à la radio par où il part? J'ai des brokers qui vont dans les ruelles. Ah, on ne pourra pas le suivre donc. Oui, mais par, je veux dire, c'est côté est ou ouest quoi. Merci. Ok, je répète, je change. Caraca, vert fluo. Il va bientôt partir de la route, en fait. Je dirais. Merci énormément pour ces 100 subs, putain, bah bim! Voir qu'il vient de rentrer sur Davis. 10-4. À l'arrivée d'Autopia, par quoi? Atom. A02 pour l'itérant, on va pouvoir recommencer à patrouiller autour.
10-4. Du coup, vous prenez vos patrouilles autour et faire des locks. On a quand même une ou deux unités vers le nord hein, pour le Caracas vers Filo. 10-4. Dame 60, vous mettez vers la Great. Et Dame 66 vers le centre trouvé. 10-4. Et 35, vous faites un 19 et vous prenez 68. Adam 79, s'il vous plaît. Vous allez au niveau de la grille. 10-4, on lève le lock. 10-4. Par contre, du coup, on avait des brokers qui nous spottaient sur le lock. Merci énormément, merci aussi chez Wenker, Franco, aussi 4 subs. Merci à vous, très brutal, merci à vous tous, vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres, c'est énorme. Merci Zertul, merci à vous tous. Hein. Oh là là, c'est incroyable. Mais... Vous avez reconnu ceux qui vous ont jeté des fleurs ou pas? De Marie 36, vous avez un hélicoptère noir qui décolle direction nord-est. Impossible de vous dire qui c'est. Pour les fleurs. Ok, vu, je vais sortir Henri 02. 10-4. 04, je passe, je vous attends si vous voulez. 10-4. Il est parti en direction de la suite ancienne. Allo? Ah, toujours là-bas? Toujours là-bas, là ils viennent, ils ont voulu faire. Ils ont voulu que le BCMS check tous les otages avant okay, qu'on continue les négociations. Ouais, bah c'est ok. Et c'est vous qui s'en occupez ou c'est quoi? C'est moi qui gère, oui, la FICA là. Ah, ok, putain, je vous dérange, je vous dis. Non, il n'y a pas de soucis, c'est pas moi le négociateur, mais on a en même temps un transfert MST donc. Oh la vache, ok. Ok, bah moi je suis à Seigneur Road, on a mis un ou deux véhicules un peu sur les axes qui descendent du sud, donc vous me dites quand ils partent et. Et voilà quoi. Ok, y'a pas de soucis. Par contre, nous, ça avait vraiment été négocié. Que, oui, vous inquiétez pas. En fait, il faut juste voir vers si c'est côté est ou ouest. C'est tout ce que je veux. Ok. Merci. Bah, je vous tiens au courant. Ouais. À l'âme 80, on a un Caracara dans les canaux au sud de Grove Street. Discat. On est au niveau de sous le pont de Davis Avenue. Ne vous inquiétez pas, le Caraca est toujours là-bas, vers Fluo, il est toujours pas parti et c'est pour Atom. Caracara, je pense 18. On peut pas le contrôler, hein? Il est au-dessus de nous. 10-4. Ils prennent le Caracara. Merci à vous les gars, ça fait plaisir de chez Wanoxy. Merci, merci, merci. Merci à tous, vous êtes trop des monstres. Putain, Zertul, t'es un malade. Oh, c'est trop gentil, Zertul, ça me fait trop. Oh là là. Oh, Vital. Merci énormément, c'est énorme. Et 02 et SWAT deviennent envoyés décollage. 4. Des 4.
Et la tortue, c'est que moi on pleure pas à un moment, ça me fait plaisir de me dire César. Il veut que tu fasses une petite voiture marron au niveau de 900 Tower, ouais. Discat. Adam 34-10, 29 à ta suite Vespucci. Discat. Discat. Le problème c'est que j'ai passé sur plusieurs rues, j'ai pas de truc vraiment. Vous avez une unité 34 car toi pour les deux à côté. 10-4. Dans mon endroit où je peux tout battre. Ceci dit, pour LSS, on a vu un hélico partir de la Marina qui est parti sur la Sustancia et on sait pas où il est, peut-être parti dans le Nord. Hein. En Swift ou un Super Bolito. Ok, c'est reçu. Sans sur la grille, t'as toujours rien. Hein. 10-4. Ok, ça part vers direction Ryan's. Oui, ça part direction Ryan's, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. Ok, merci. Ouais. 80. Quel caraf vers plus haut, c'est ça? Tout à fait. Alam 80, 29A sur Caracara Noir sous Davis Avenue. 10-4. 10-22B sur Monsieur Vanoken, mandé pour enfin sur le côté de la route. 10-4. Le 23 se met au niveau de la Sienora pour le Caracara. Ah, c'est côté ouest, hein. 10-4. Je dirais d'aller aussi de voir les customs. Hein. C'est quoi la 66, enlevez-vous de la photo rue et allez direction plutôt vers le gouvernement. Ancien gouvernement. 10-4. Henri, on va tourner autour de la zone Brokers. 10-4. Oui. Oui. Vous pouvez se reprendre le 80. Non, je suis très loin, moi je suis dans le nord. 10-4. 10-29B sur Monsieur Van de Wen et Reiss. 10-4. Alam 90, 29B sur le Caracara Noir sous Davis Avenue. Il s'agit d'un simple citoyen qui s'est perdu. 10-4. Ah, les coups de feu Maïs Banque, c'est sûrement eux qui nous tirent dessus là sur l'oreille. Dans les canaux sous les vis-à-vis. 10-4.
Garcia. Depuis le pont d'Alta. Il y a deux individus. S'ils sont pas dans leur zone et que vous pouvez les toper, allez-y. Hein. En fait, on s'est fait crever les pneus. Le pont de Davis. Tiens, un peu, on s'approche. Escalade contrôlée. Bon, c'est ceux qui sont sur la moto qui ont tiré? La vacance s'approche aussi. Des faits dans la zone. Dame 23 RS au niveau ancien goût. Ceux qui nous ont crevé les pneus, c'est la moto qui est devant nous là. Vous allez bien? La 10-4, c'est eux. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Ils ont crevé les pneus quand même. Qu'est-ce qui vous arrive, ça va? J'ai pas vu les pneus dans le virage et vous m'avez surpris en fait. Ah, mais je suis carrément dans la fougère quand même. Ouais, je vous ai vu au dernier moment aussi en fait, vous aussi. Ah, ok, d'accord, pas de soucis. Mais excusez, ça va, vous avez entendu? Ah, pas du tout, moi j'étais dans ma. J'ai là où. J'étais carrément à votre gauche. Hein. Le pont des vis, ici. Ouais, non, mais ça va, c'est à peine. Ouais, non, ça va. Ok, parfait. 49. Bonne soirée. Zone orange. Escape. Aïe aïe aïe. Ils sont au milieu du pont. Ah. Non, c'est dommage que je suis pas le réel. On a quand même des gens en véhicule au nord du Broncos. Ils ont sûrement fait ça pour nous appâter. Allô? On fait quoi avec ça? Quoi? La moto qui crève les pneus. Ah, on l'arrête? Bah, devant nous, pas tourner en rond, mais sur le milieu du pont de Davis, c'est ça qui est un peu. Et nous, on était où? Bah, je crois qu'on était. On était sûrement pas sur le pont de Davis, ça c'est sûr et certain. On l'arrête, hein? Bah, mais à tourner en rond sur le pont de Davis, c'est sûr qu'on commence à taper. D'un, elle va se sauver. De deux, on va voir des que. C'est Marie qui vont débarquer. Mais je veux dire, pourquoi ils vous ont tiré dessus? J'ai aucune idée, je sais pas moi qui a tiré dessus, je sais. La voiture dans. Est-ce qu'on l'a tiré en premier? Ils ont tiré avant? 10, 4, on a un pneu crevé dans le bénis. Mais oui, on va la tourner. Et 10, 4. Attends, mais c'est où là? C'est qui là? Si vous pouvez, prenez des photos des individus. Hein. Attends un peu là. Attends, ils sont où là? Il y en a un. Ah là, tu peux, je raccroche puis je mange les gars. Ouais, ouais. 10, 4. Du coup, pour info, la moto elle était où là quand vous avez tiré dessus? On n'a pas vu de moto, on a juste vu deux individus au milieu, presque au milieu du pont de Davis. Puis vous étiez sous les canons? Ouais, on était à l'ouest du pont, dans les canons, ouais. Un petit fantafa, sportif noir sur le pont de l'Innocence Boulevard.
Atom 23, on se rapproche. Biscotte. Quelqu'un a vu la moto tirer ou pas du tout? Deux Disc 4, on les avait tirés, ils ont tiré en bas et sur le orange. Donc c'est bien la moto, c'est cette moto là, on voit. Ouais, Disc 4, les deux individus sur la moto orange. 02 pour 18 et 49, je suis d'avis qu'on les interpelle vite, on les note et on les fout dans la voiture. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ok. Allez, on y va. Reculez. On a calé. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils ont pris un molotov sur la voiture. On a calé. La voiture a calé, on peut pas avancer. Les têtes rapprochent, s'il vous plaît. Contre Davis. On va se rapprocher. Ok, essayez de reprendre la voiture à partir d'un peu plus loin. Okay. On a un clé qui arrive de Bull Street, un Caracara et deux Comet Safari. Ok, on recule le pont. Et vous appelez un dépanneur. Scat. Ça tire des molotov encore. Et ils ne sont à faire exploser un contre eux. Ah, Scat. C'était chaud ça, hein? Ouais. Du coup, de ce que je vois, ils ont des gilets pare-balles et des armes à deux mains. Je sais pas si c'est AK ou pas. Et elle est où, 77? 77? Ah, celui qui s'est fait écrouler les pneus? C'est 47. 47? Et dans les canons en dessous là-bas. J'ai rien compris. Non, reçu. À l'écoute. C'est votre point là où il y a eu les problèmes là? Pont de Davis. Oui, monsieur Meuler. Oui. Dites-moi, c'est normal les gens qui tirent sur les pneus des voitures puis après font les fous. Ah, attendez, c'est normal qu'une voiture rentre chez moi? Rentre chez vous où? C'est les canaux, hein, c'est pas chez vous le canot. Non, la pelouse qui rentre sous les canaux, la pente qui rentre sous les canaux, elle est chez moi en fait. Quel pardon? Bah, t'es où? T'es quoi? T'es sur le pont là, je crois? Ouais, je suis sur le pont là. Vas-y, bah, viens me voir là. Je vais te montrer où c'est, ce sera plus simple. J'arrive. Ok, je vais parler. Qui se capte? Tu vois en fait là, on est d'accord. De Marie, pour information, vous avez trouvé une comète d'appareil sur McDonald's. Ouais, on est d'accord, c'est normal. On est d'accord, ouais. Est-ce qu'il y a la limite en béton là, quand même là. Toute la limite qui longe là, en l'eau là, tu vois, la petite limite en béton. Ouais. Que je retrouve une voiture collée au mur en béton, en pierre là. Laquelle? Celle-là là? Oui, oui, ici là, collée à ça là. Et quand je les pointe, il bouge pas. Il était où exactement? Là? Oui, sur la pelouse là, en dessous là, pas au-dessus, mais sur la pelouse en bas là. En dessous là? Oui, en dessous, sur la pelouse. Okay, okay. Ah, sur la pelouse, ok. Oui. Normalement, ils peuvent aller le canot, pas la pelouse. Je tire en l'air, il bouge pas. Ok. Je braque avec une AK-47, il bouge pas. Ok. Je tire par terre devant lui, il recule d'un mètre, il s'arrête. Un mètre, il s'arrête. Je dois faire quoi? Je dois la battre. Escape. Ok, ils étaient sur la pelouse. Ok, ça limite. Oui, oui. Ouais. Ok, je vais voir ça. C'est quoi? Ils ont même fait des petits coups de poète pour que je les remarque. Ok. Je vais voir ça. C'est encore une provocation habituelle. Ouais, mais c'est pas la provocation habituelle, vous savez bien qu'on est sur vous. Et on cherche pas la. Je cherche pas le poète, hein. Oui, oui. Mais pourtant, il y a eu deux poètes, hein. Oui, non, mais je sais pas comment c'est passé. Ok. Intéressant. Du coup, moi, je tire à côté, 14, ça bouge pas. Je tire encore à côté, ça bouge pas. Et encore après, ça bouge pas. Encore un mètre. Dis-le pour 47. Le gunner, c'est en train de bouger dans la zone Brokers. Attention au toit. 14. De Marie 36, ils ont une comète Safari rouge qui fait le tour du quartier pour vérifier qu'on fasse pas des bêtises derrière. C'est qui le véhicule qui s'est fait tirer dessus déjà? 49.
R9, mettez-vous là où vous êtes fait tirer dessus. Je vois encore les traces de pneus. La voiture recule. Hein. La voiture recule tout de suite. Reculez la voiture, vous faites quoi là? Bah c'est là qu'on était, on s'est fait tirer dessus. Non mais c'est pas là, c'est pas vous. Dans la pelouse. Oui, dans l'autre dame. Non mais c'est la pelouse, la pelouse. La pelouse. La pelouse. Reculez, oui. Non, la pelouse, celui qui s'est fait tuer sur la pelouse, les pneus. C'était 47-18. On était dans les canaux à ce okay. moment-là. Mettez-vous exactement pneus, hein, là où vous étiez. Pneus, je peux même te les prendre en photo si tu veux. 10-4. Non, mais je vais juste voir où c'est exactement. Je leur ai tiré dessus, ils étaient sur le béton. Hein. Mais vu qu'ils reculaient pas quand on braque une arme, je veux dire. Ouais, ah oui, mais d'accord, ok. Vous avez tiré direct et vous avez eu les pneus direct. Ah non, j'ai tiré au pneu en l'air d'abord et après j'ai tiré sur tous les murs d'abord. Regarde, ici, regarde exactement où il était là. Ça c'est pas se foutre de ma gueule, non? On a okay. un Caracara de côté de Davis. Ouais, pas les canaux, mais là c'est la plus. Ok. C'est reçu, il est parti de côté. Et quand il vous a tiré la première fois, les pneus ouais. ont été crevés direct, c'est ça? Ouais, 10-4. Ah, voilà, c'est ça. S'il y a une voiture de flic qui doit pas être là où elle doit être, ok, c'est bon, vous pouvez. Ça, j'en ai rien à vous pouvez partir, vous pouvez reculer. Oui, vous avez crevé les pneus direct. Ah bah, c'est impossible. Ah, mais si, je vous assure. J'ai tiré en l'air avec un flingue d'abord. Ah bah, je sais pas. En l'air avec un flingue. Ok, bah, je vais leur parler, mais oui. Et après, j'ai tiré par terre. J'ai tiré. Attends. Non, j'ai tiré 11 balles en tout, avec AK-47. Okay. Alors, juste pour info, ne venez pas sur cette pelouse là, elle est trop proche, mais vous pouvez être sur les canaux. Et pas sur la pelouse, ok. J'ai cru voir un. Ok, ok. Et après, aussi, oubliez pas, bon. C'était vous la moto? Un quoi? Non, c'était moi, oui. Okay. Un RPG Bazooka. Bon, quand vous, c'est pas la première fois, quand vous balancez une molo sur votre voiture, on peut pas reculer, vous avez... Oui, ouais. C'est pour ça que à la base, je vais pas en jeter une deuxième, mais... Oui, voilà, ok. Mais en moto, c'est reçu. Que... Ok. C'est pour ça qu'après, j'ai la personne qui a tiré chez moi, j'ai vu RPG. Ok, bon, on va voir ça. On a attendu. Je l'ai vu sur une PSL qui est dans le véhicule 4 places beige. Ok, vas-y, on va voir ça. Bon, allez, faites attention à vous. Sûrement, Discat était dans les deux de la personne, ça ressemble. Après, j'ai entendu un call qui m'a... qui m'intrigue. Okay. Bah du coup c'est côté nord. Vous n'avez pas kidnappé des agents Bah si, ils sont pas de là. Et c'est quoi pour vous être là où vous êtes? Pareil, ouais, des mecs, c'est pas vraiment, c'est ok. Ouais, c'est possible, limite quoi, la pause. Ah oui, non mais c'est pour ça que je le menaçais seulement d'abord. Mais ça bouge pas et ça se fout de ma gueule encore. Oui. Ok, allez, bonne soirée, faites attention à vous. Ouais, bonne soirée. Pour info, quand vous êtes dans les canaux, allez pas sur la pelouse collée au mur quoi. Cherchez pas trop la bébête s'il vous plaît, d'accord? 10-4. C'est bon, on peut dégager. 10-4. Ça fait 10-4. Et bah on n'a pas besoin de les titiller autant, on va sur nos limites, c'est eux qui vont lâcher prise. 10-4. Allô? Ouais. Ouais, c'est juste. On était sur la pelouse un peu trop collée. Il était pas content et je lui ai clairement dit qu'il a crevé les pneus donc il pouvait pas reculer. Coup, voilà. C'est parti. Il pense qu'on va voir quoi des canons? Je sais pas du tout, mais on est proche du mur, quoi. Très très proche. Et les canons, on a le droit. Les canons, c'est bon. C'est juste la pelouse. Là, c'était vraiment collé. Après, dans tous les cas, il s'est. C'est chiffonné pour des mètres, des centimètres. On a rien fait des centimètres. Ça changera pas qu'on soit sur la pelouse ou sur le canon. Adaptez-vous un peu. Ouais. Ah oui, ça s'en changera pas en fait. C'est une guerre de position, donc, c'est pas cet endroit qu'on veut se battre. Hein. Pas bien. Non, je comprends, c'est rien, mais bon. C'est pas là où on doit chercher des miettes. Hein. C'est à l'opposé. Hein. Donc ce côté au mur, de là on sait qu'il y a des trucs bizarres là-bas. Voilà, ça on s'en fout. C'est tiré, je lui dis de se calmer.
il va se calmer et nous on a juste là où il était, bah, il se met juste au canot et c'est bon quoi. Le but c'est pas de partir en couille dès le premier jour. Hein. Le but c'est de serrer l'étau et de tranquille et continuer de serrer l'étau quoi. Alors là faut les faire chier à 100% hein, mais bon. Oui mais là c'est quoi? Là qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est-à-dire non, que non, là je sais, on a une personne qui est collée au mur là où on sait où c'est où ils font des trucs très chauds. Alors que c'est même pas le côté où on cherche quoi. Ouais. Après on peut en parler avec les lieutenants. Non. Là c'est une guerre de nerfs et si on craque, on la perdra. Là si on prend un gunfight, alors que là où on était, on prend la gunfight, on a perdu le commissaire. C'est pour une personne qui dépasse un gunfight. Elle va passer pour la mairie. Ils ont tiré des molotovs et tout, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Après ouais là. Bref. Nord Abington, tout le monde va prendre. Ouest, boulevard d'Apéro. Elle est repartie sud. Je suis dans les ruelles. C'est qui là? Ouais, on l'a perdu. C'est qui là? Bah, Guilain. Une petite voiture c'est là, noire. T'es pas avec 02? Non, elle est en Henri. Okay. Henri, d'un affaire qu'on l'a vu, c'était dans les ruelles. Du coup, je spot juste et je suis prêt à partir. Oui, pas de soucis. Vas-y, à l'écoute. Et je fais le tour. Ouais, okay, faites bien, frère. Bon, on a pas de nouveau freeway, on est à la poursuite d'une voiture grise. Ah ouais? J'ai reçu, j'envoie une. Elle est repartie, mais tout à l'heure elle est passée, elle s'est mise. Caratop, on arrive. Elle est devant nous. La Mino. Escape prend direction nord et elle est sur la route. On retourne chez nous. Escape en négatif, on va prendre la Senora Freeway direction sud là. Arrêtez de klaxonner, ça sert à rien. Si, il répondait au coup de klaxon tout à l'heure. Ouais, mais bon, c'est. On peut demander à 02, on l'a fait plein de fois, il répondait. C'est même les premiers à nous klaxonner au passage. Ouais. Senora, on est sur le LS Freeway. Escape. Situation, chef. Dernière position connue de la Santos Freeway, direction sud, on l'a perdu pour l'instant. Quel type de véhicule? J'ai une tailgater grise. Il y a un bon casque qui court à pied. Vas-y. Il va où? Il est dans le parking. À 18, vous ferez attention, il y a un deuxième walker qui est en train d'arriver. Oui, bah vas-y. Je rappelle à toutes les unités, n'oubliez pas que c'est un guerre de nerfs. C'est pas à nous de le perdre, c'est à eux de faire des erreurs. Nous, on fait comme on fait d'habitude. Ça va être juste, soyez forts. Ça va être dur, mais c'est pour la ville et pour le commissaire. Escape. Et patient. Escape. Ah, vous l'avez vu sur le toit là? À gauche là? Ouais. Après, on sent qu'ils ont un petit problème hein, parce qu'ils doivent courir partout. Hein. Ouais, ils doivent partout. Ah, à la 64, du coup, en fait, c'est partir, le premier jour, c'est pour ça qu'il faut pas partir vite. Là, c'est chamailler pour des trucs. Leur montrer qu'on est un peu autour et qu'on avance et qu'on bouge, ils vont comprendre qu'ils peuvent pas gérer tout le quartier et qu'ils vont devoir rétrécir. Bon, ils le font pas. Hein. Et comme ils sont stupides et acharnés. Ouais. Bon, à 24, puis à terre, arc.
Écoute, 10-29 voies sur Olympic Freeway, Innocence Boulevard sur une moto. 10-4. 10-4. Non mais là c'est quoi, c'est une... C'est vraiment une caisse là en haut. Y'a pas besoin. 10-4. C'est vraiment une caisse là en haut là. Non je pense pas. Ah oui, vous êtes là. Henri ? Ah écoute. Vous pouvez venir vers la fourrière Au-dessus de la fourrière, il y a du rouge, mais bon, c'est peut-être pas une caisse. Hein. C'est 80. Un flair. Hein. Non, on peut monter sur le toit là ? 209, si quelqu'un du poste m'a appelé, rappelez-moi. Je crois qu'on peut monter, ouais. C'est vraiment une caisse. Au-dessus, c'est une caisse. Hein. En vrai, là, vous voyez où ils sont ? Pas loin de là où ils sont, il y avait une caisse qui est tombée tout à l'heure. Position du flair, 18. Ça vient d'être enlevé, c'est au-dessus de, du parking du. La fourrière. Ça vient d'être disparaître. Ah, c'est sûrement un flair. Je vois personne sur le toit. Je vois aucun véhicule qui sort. Ok, pas de soucis. C'est bon, vous pouvez y aller. Où est-ce patrouille ? 10-4. Sur un véhicule au niveau de l'aéroport. On va écouter, ça va et vous? Vous avez pas fait encore engueuler pour le BTB là? De quoi? Pour le BTB là. Pourquoi je me fais engueuler? Ah, parce que vous êtes membre du LSPD et pas un BTB quoi. J'ai fait 20 ans dans le BTP, c'est quoi le problème? Ah oui, mais bon. Oui, bah je suis désolé, leur trottoir a été vraiment abîmé. Ouais, mais c'est pas le but de le faire. Vous avez besoin d'unités. Vous allez voir, de toute façon. Ah, je l'aurais dit, hein, si on le faisait pas, c'était la voirie, mais c'était 10 jours. Hein. Sauf que c'était 10 jours de barrière dans leur quartier. Donc bon, au choix. Hein. Ouais. Et puis dès qu'on m'a demandé d'arrêter, dès que le sergent chef de l'os m'a demandé d'arrêter, j'ai arrêté. Oui. Et j'ai arrêté dans la seconde. Ils ont 4 fins de service. Après, je sais pas ce que vous dites, mais. Oui, non, mais bon, de ce que j'ai cru comprendre, c'est le seul truc qui a énervé Monsieur Mulet. Et c'est comme je dis, c'est que là, ces jours, c'est patience et on doit être con, mais on doit pas les chercher quoi. Bah écoute,
coup ça va, là on discute avec le lieutenant, je sais pas qui est à côté, mais je crois qu'il y a... C'est le cadet 14 et le lieutenant... Il y a l'ancien capitaine Mason et une autre personne, mais non, lieutenant Lafleur. Et le lieutenant Lafleur, pardon. Alors de la part du lieutenant Val, elle a dit « Ah ouais, la violence ah !» Ouais. Moi d'ailleurs je vais me casser parce qu'il y a trop de gradés ici. Hein. Ouais, allez-y, allez-y. Ah ouais. Ouais, deux lieutenants en même temps ça fait peur. Hein. Bon, c'est une guerre de nerfs, hein. Va falloir réussir à la gérer, la guerre. Hein. Ouais, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'on. Bah, on délimite leur territoire en fait. Non. En fait, on leur montre que. On peut appuyer et là, c'est le premier jour. La station essence de Calais, oui. Innocence. Parce que nous, enfin, le problème des barrières, ou des... c'est qu'on le faisait une fois tous les deux jours, des fois on le faisait pas, donc c'est rien du tout, ça faisait rien du tout. Là, c'est un gros blocus. Pour moi, c'est un focus, ils voient que c'est un focus, et que c'est un blocus, et qu'on les arrête tout le temps. À force, ils en ont marre. Là, ils voient que ça tire. Seconde unité, s'il vous plaît. Le premier jour, ça... C'est où ? Ah, dans le sens 6, on y va. Et à force, bah on vient derrière, quoi. Ah non, tant qu'on s'assure qu'ils puissent pas sortir et rentrer pour faire les cons, ce serait bien. Mais... Ah ouais, bah ça arrive, hein. Les il y a tellement de sorties. Ah bah c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. C'est sorte ou autre. Juste se rappeler de leur voiture, essayer de voir si c'est bien ça et on les arrête dehors, hein. On s'en fout. Hein. Ouais. Après, on peut pas faire tout parfaitement. Et juste ça, ça les fait chier, hein. Faut pas croire. Hein. Au début, ils vont dire, ouais, c'est bon, c'est facile, ils sont cons, hop, hop, hop. À force, ils vont pas comprendre que tous les jours, c'est horrible. Oui! Oui, c'est pas ton travail de fluidifier cette circulation. Oh non, moi c'est les cadets qui s'en occupent. Bah faut peut-être envoyer un cadet ou deux parce que c'est quand même un sacré bordel. Oh bah après hein, ça s'arrange là parce que là ils seraient de voir, là, ils seraient de discuter, vous voyez pas qu'ils font des constats. Ouais, il faut qu'ils fassent un constat, bah là oui, je pense qu'il y a plus d'un constat qui. Ouh là là, il va falloir un autre constat qu'il a fallu te faire. Oui, il va falloir un autre constat. Ah bon voilà, c'est pour ça qu'on supervise ce qui se passe là. Ah d'accord, bah pas de soucis. Vraiment, je pense que. Faut penser à mettre le petit tampon hein, sur le constat quand même. Ah oui, bah ça ils vont le faire, hein, ça c'est... Nous on est là pour essayer de gérer toute cette situation là. D'accord, ça marche. Allez, bonne soirée. Bon, au plaisir. Hein. Z9B sur Monsieur Pierre, c'est amendé pour en passer au code de la route. Hein. Ouais, tout le monde est arrêté là. Je sais pas. Bon bah allez, hein, on va pousser tout ça. Hein. Ah bon ? D4 ? Bah vous savez que maintenant, montrez votre badge et vous avez votre voiture. Hein. Hein ? Il faudra pas faire le... faire le tuto, tiens. 34, vous êtes en haut ou vous êtes en bas? On voit à gauche. Mama pinga. Jean-Monsieur. Je réquisitionne cette voiture. J'aurais besoin de votre véhicule, vous gênez. Ah. Pour prendre l'appel au poste, s'il vous plaît. Reçu. Discat, je suis au poste. Discat. Allez, on circule. Ouais. Si vous sortez de là, voilà, les plongeons. Allez, circulez.
Je vais crever là. C'est eux qui ont trouvé les pneus. Voilà. Incroyable. Oh merde. Oh. Code rouge. Code rouge. Tonnerre. Accélère, accélère. 10-4. Sont rapides. Félicitations, vous êtes très rapide, c'est bien. J'ai 10-4 derrière. Hein. 10-4. Je préviens les news. 10-4. Combien à date 34? T'en tiens? T'es où cette dernière position à 34? Prends le téléphone 49. Il fait chier lui là-bas là. Le SMS a une intervention en zone de place, on va s'y rendre. Disquette. Madame 80, on est à proximité. 38 et 50 deviennent à la... Non, je voulais commander, j'ai pas commandé depuis tout à l'heure. Disquette. Je meurs. On va commander salle ou pas là. Bon, j'ai commandé pas mal de salade. Hein. C'est le genre de truc que je voulais faire sauter. Sauter quoi? Les calls de SMS en zone. Rien à foutre en fait. Ah, si, c'est au moins c'est un problème, je pense. Alors, Lousteau c'est une bonne excuse pour qu'on aille chercher en fait. Je trouve que c'est une bonne excuse pour voir ce qui se passe. Ouais.
Non, mais ça, j'ai jamais eu un seul problème. Ouais, mais c'est ça. Ouais, grâce à ça, j'ai eu pas mal d'informations. Adam 78, pied à terre, Bénise. Ah, je comprends, vous comprenez pas trop, vous êtes cadet, vous êtes cadet, c'est votre premier jour là. 10-4. C'est sûr, oui, c'est mon premier jour, c'est pour ça. Regardez pas, on va vous apprendre, vous êtes à quel temps il est pas sur Autopia Davis. Ok. Bah, je vous fais confiance du coup. 10-4. Vous rentrez presque en même temps tous les deux, non? Non. Qui, Samour et Mason? Ouais. Mais non, je suis rentré. Bien vu quand même. Début février, puis je pense qu'il est rendu bien avant. Début février. Début décembre. Voilà. Oh oui, ouais, le 2 décembre, c'était. Vous voulez un truc rigolo? Qu'un problème, il y a une motocross qui est passée Strawberry direction STL, suivie par une moto de broadcast et une. Un jour près, ça a été. Il est revenu? Il y a une T côté innocence. Non, mais non. Il a été viré une première fois aussi. Non, mais c'est pas possible. C'est moi, je suis arrivé. Comment innocence, Alta? Vous êtes arrivé en mars. Et allez, direction innocence, Strawberry. Quand j'étais là, il était cadet quand j'étais officier, je crois. Oui. Lui, il était arrivé le 27 février. Monsieur Galino, RS. Il était promu officier le fin mars, le 21, je crois, comme ça. Mais bon, j'étais cadet avec lui, c'est ça? Peut-être, je sais pas. 19. Adam 78, reprise de patrouille. 10-4. C'est quoi le dernier 10-27? Il y a eu des tirs dans la zone broker. En côté DP si jamais des tirs. 10-4. Benizam 75. Le comité d'accueil, on va dire. 10-4. J'ai une question, tu vois. McDonald's. Ok, c'est entre guillemets chez eux. Oui, le garage. À droite, le trottoir, là. Le garage aussi? Ah, je sais pas, je pense pas. Non, le garage, ils m'ont dit de plus y aller. Je suis planqué, puis ils m'ont dit de débarquer de nous. Ouais, ça c'est. Ouais, je sais, les gars. On s'est marché sur les pieds comme des cons. Ça, je pense que ces rues, on les avait récupérées, putain. Vous savez pourquoi on les a perdus? Ouais, je sais, ça m'a dégoûté. Ouais. De toute façon, ces tensions, c'est, ça va être tendancieux et. Et vous savez comment je les avais récupérés? Un jour, il y a eu un problème au carrefour entre Rollenstein. Bah, j'étais dans. Allez, dites pas que c'est vous qui l'avez récupéré, hein, j'étais là. Hein. Bah, en fait, j'avais dit à Müller. j'avais dit à. Bah, oui, je m'en attribue un peu le mérite, oui. J'avais dit à Müller. Votre territoire il est trop grand, ça va pas rester comme ça. Donc quoi qu'il arrive, McDonald's débrouille, on y repassera. Il m'a fait ok. Puis je suis parti, du coup on est repassé. 75. Mais non, mais c'est il... Attendez, mais c'est, vous l'avez dit ça quand il y a eu l'accident? Ah non, c'était avant l'accident, justement. L'accident c'était après. Ok, parce que c'est au moment où il y a eu des. On a dû foutre le bordel avec les autres. Ah, je suis désolé, mais c'est de ma faute, hein. C'est de ma faute s'il y a eu ce problème là, et c'est grâce à ça qu'on a eu les deux rues. Vous vous rappelez avec Baker qui s'était fait. En fait, ils étaient juste devant moi là. Et le mec a dit qu'il avait pas son permis, il avait volé le véhicule. Non, mais c'était pas ce soir là. Fin intervention du. Parce que SMS, moi je sais que c'est grâce à ça qu'on a pu avoir ça sans souci. Descapes. Vous avez dû faire. Je sais qu'il y avait une voiture qui était passée ce soir là quand j'ai parlé à Müller. Il m'a dit non, je fais bah en fait si. Quoi qu'il arrive, on verra. C'est pas tolérable que vous soyez aussi étalé comme ça, là, c'est pas possible. Et que vous voyez ou non, on passera. Et bien, il m'a dit ok. Et je suis reparti. Et après, on a pu passer. Donc, je sais pas de quoi c'est parti, mais c'était pas l'histoire de la voiture, c'était vraiment carrefour avec le Weinstein et Carson. À gauche. J'ai discuté plus pendant 20 minutes. Ouais, vous avez dû enchaîner et à la fin on a conclu là-dessus. Oui, c'est possible. Et qu'il nous saoulait et qu'on s'est embrouillé. Et que derrière il est parti en courant et que c'est là où c'est parti où on a tiré sur partout et à la fin bah, on a fait tomber 4 personnes quoi.
Pour eux, quand ils perdent une fight, c'est limite ils perdent le ah non, territoire. Ah bah non, mais je vois de quoi vous parlez, vous. Ouais. Mais non, non, c'était bien d'après la fusillade qu'il y avait eu en face. Hein. Bah moi, à partir de là... C'était genre une ou deux semaines avant l'accident qu'il y a eu sur Davis avec le cadavre. Ah oui, non, non. Il y a, quoi, y a un mois, un mois et demi. Et là, on l'avait déjà, celle-là. Moi, j'allais tous les jours, là. Oui. On l'avait déjà, ça. Non, je parle de Bruges et Carson. Ah, Bruges et Carson. Adam, 80, 19. Ah oui, 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 ça, oui. 10-4. Je parlais de McDonald's. Ok. McDonald's, je sais que... Oui, mais c'est ça fait un bout de temps, oui. Ça fait un bout de temps. C'est quoi, cette bagnole? Oula, oula, oula. 15-16, quelques instants. 10-4. Ah oui, j'ai pris contresens parce que j'habite à la contresens devant véhicule de, deux véhicules de police. Dix-quatre. Adam 34, 10, 29 A sur Innocence Boulevard. 10, 4. Vous avez besoin d'une unité, Adam 34? 10, 5 pour le moment. 10, 4. Bonsoir, carrosserie s'il vous plaît. Ouais, j'allais commander là. Bon, merci. Mais de rien. Et bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Allez, Speedy, bonne matinée. J'ai reçu. 68 de la Nicole, c'est pas trop. 10-4.
Adam 34, 10-29 PSU, Monsieur Boaga, RAS. 10-4. 10-4. Adam 36, Bethesda Arc. 10-4. Fin de service. 10-4. Encore des intercepteurs là ? 80, fin de service. Encore des intercepteurs ou pas ? Oh, je sais pas. 10-4. Ah. Ah cool. T'en as deux hein. Attends, tu vas ramener. Attends, tu ramènes moi à la banque. Putain, c'est fatigant ce qu'on fait hein. Ouais, bah c'est fatigant mais ça marche hein. Ça les titille quand même. Ouais, je suis pas sûr en vrai. Ah si ça les titille hein. Parce que c'est broker, s'ils vont pas lâcher en deux secondes. Ça les titille, ouais, mais est-ce qu'on arrive vraiment à les empêcher de faire quoi que ce soit? Je pense pas. Hein. Oui, quand même. Bon, ça les empêche quelques trucs. C'est moins lent, c'est plus lent quoi. Il t'a dit Nikon ou pas? Non. Parce qu'il y a Smith qui l'a appelé, qui lui a dit que ça servait à rien ce qu'on faisait, qu'ils arrivaient encore à travailler et tout. Du coup, Nikon il était planqué des apparts de petites mains, il y avait du mouvement donc. Ah oui, bah il faut taper sur le sinon aussi. Hein. Bon, c'est taper sur tout ce qui bouge, hein. Tout ce qui bouge à broker ça. Et là ils comprennent pas que les petites mains quand on va voir qu'ils font une caisse et qu'ils vont à part, ils vont à perquise. Hi there. Hi there. Ils sont pas libres de droit de chemin, ça les saoule hein, faut pas croire. Hein. Oui, sûrement, oui. On a foutu une paire en cible aujourd'hui en plus. Ah oui, non mais... Là, c'est le premier jour. Ça devrait être juste après, mec, je te jure, j'aurais pété un câble. Hein. C'est le premier jour, hein. C'est que le premier jour, on a le temps. Hein. Ouais. Et Adam 23, en plus de patrouille. Ça va, mec, Xanera, on se braquait l'un l'autre et l'on a dit, il a passé deux fois, tu le vois, il m'a pas eu. Ouais. Et juste pour un truc important, c'est... Les canons, on peut y aller, hein, mais pas... Enfin, là, ils étaient trop, un peu trop proches, quoi. Juste la pelouse, on s'en fout, enfin, je veux dire, on va pas jouer pour 2 mètres. Hein. Moi, je dis que j'en avais rien à foutre de la pelouse. Le canon, on a le droit. Tu veux qu'on parte en Adam ou tu pars en Lincoln? On peut partir en Adam, si tu veux. Attends, on recule, recule. Vas-y, va côté nord maintenant. Vas-y, continue, qu'on allait aller. Et ouest après. Ah oui, ouest. De quoi t'as... Attends, parce que je suis au téléphone, j'ai rien cligné là. On va ramener. Adam ouest. Ah ouais. On va ramener la 47. Ouais. Répétez, Claire, parce qu'il y a Balosso qui me parle en même temps. On prend 47. Oui. Allez, montez. Ça va bien, Adam, à côté du Bénit? Non, mais il y a déjà un truc qui a été vu, mais. C'est compliqué. Merde, attendez, allez-y. Nice. Ouais, c'est nerveux. Ouais, à plus tard. Attendez, je vous rappelle. On va où là? Ça sent plein de service. Elle va où? Escape. Moi j'allais juste au parking public récupérer ma voiture. Ah, voilà, on vous amène. Bah, c'est gentil. L'intercepteur qui vient de passer devant le permis de conduire, il y a un véhicule derrière vous, voilà. Sportive rouge. Et pour info, c'est bon, hein, voilà. Le canon vous pouvez y aller, hein, ok? Ok, mais en fait, on est allé là-bas pour contrôler un véhicule, on s'est vraiment pas mis sur la pelouse. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. En tous les cas, je leur ai bien dit que Cano c'est pas chez eux et juste que pelouse il faut pas. Et en fait, pour lui, il a tiré une fois en l'air et à ce qui paraît, le premier tir. Franchement, on a pas du tout. Ouais, enfin, nous on a eu la sensation de se faire directement crever les pneus quoi. Donc c'est vrai qu'on s'est. Une fois qu'on s'est rendu compte que ça nous tirait dessus, on a juste reculé quoi. On a pas riposté ni rien. Ouais, parce qu'il disait, je comprends pas, il a reculé juste d'un mètre et il klaxonnait. Ouais, quand c'est comme ça, je cherchais pas. Mais bon, Cano, on a le droit, hein, vous inquiétez pas. Enfin, dans tous les cas, c'est pas leur loi. Cano, c'est bon. Plus arrêtez là où vous étiez, bah c'est un peu trop proche. Ah, c'est un mètre, hein. Nous on s'en fout, on n'est pas là pour prendre ce côté-là. Nous, c'est.
plus côté côté est. Ouais, ça marche. Ouais, ouais. Enfin, côté pardon. Okay. Ouais, côté est. Donc c'est bon. Hein. Cadeau la prochaine fois, n'hésitez pas. Hein. Faites-vous plaisir. Ok. Bah ouais, super. Vous arrêtez pas trop. Quoi. Allez. Wesh. Allez, bonne patrouille, bonne soirée. À plus tard. Bonne soirée. Merci. C'est la première ligne qu'on est parti en Adam. Ouais. On fait le call radio. Ouais, qu'on compte en fin de jour de soirée là combien on en a mis en cellule aujourd'hui. Combien de cellules et combien d'amendes hein. Et combien on en a arrêté aussi. Même si c'est juste pour arrêter. Oui, il y en a une paire hein. Ouais, ça c'est juste ça. Pour... Parce que pour eux, c'est, ils croient que ça sert à rien, mais si ça se voit que s'ils font des caisses, ils en font moins que d'habitude quoi. Et si c'est des petites mains, bah ça fait travailler les petites mains et on va savoir où c'est quoi l'appartement et on va perquise quoi. C'est pareil, il est trop con, il me suit et il crie, il dit ça sent le poulet frit dans la voiture d'en face. Du coup je mets mes codes, je l'arrête, je lui dis c'est lui pour outrage, ça dégage. Ah oui, clairement. Clairement. Il m'a envoyé une position Marty tout à l'heure, je sais pas si tu connais. Ouais. Attends. C'est là-bas. Il y a, ça donne sur Carson là, le tunnel en dessous là. Ah oui. Ah, pour les canons. Hein? Les canons. Ah, c'est là. C'est pas du tout ici. Hein. Ça va où? Hein? Ça va où? Sur les rails là, tu vois, on est sur Carson là. Ah oui, oui, ok. Oui, oui. En face, c'est le Pelican. Ah oui, oui, oui. Oui. La droite, c'est la même chose. Après, j'ai pas compris ce qu'il me dit. Il y a deux entrées, il y en a une pour aller sur Carson et l'autre pour aller sur Groove, mais pas trouvé. 19. Que demain on va devoir, enfin je vais devoir arriver au commissaire, il faut voir, mais il y en a quoi 6 jours, genre demain limite est-ce qu'on continue sur ça ou on continue à mettre pression et on commence à prendre McDonald's, tu vois. Ouais. Et je sais que là il y a une pression. C'est pas tombé dans le trou. Il y a une pression qui mène à un truc quoi. Ça sent la pression des deux côtés. Hein. Vous avez prétendu qu'il n'y a pas de pression, c'est qu'il y a un problème. 24, je redonne le lead à 21. Ça, j'ai dit aussi aux agents de bien faire attention à comment ils parlaient devant eux. Tu vois qu'ils montrent pas que ça leur casse les couilles aussi de aussi faire des contrôles, les mettre en cellule, machin. Il a été destitué là, je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu, bah ouais, c'est normal aussi. Il a déconné. Il nous a mis les plans à l'eau. Mais ouais. Oui, après, d'un côté, ça nous a. Enfin, ils savent ce qui se passe quoi. Ça fait beaucoup quand même, hein. Il perd de vice-gouvernant là en ce peu de temps. Ouais. Chien.
Après, la première, c'est pas de sa faute. Deuxième, c'est, ouais, c'est ouais. La faute de Miss Miss. Voilà, ça va être la pression, hein. Faut la gérer, hein. Faut la boire. Hein. Ah bah là, oui. Essayer de leur dire à la radio, comprendre que c'est compliqué, ça va être compliqué, mais qu'il faut pas faire des erreurs, c'est à eux de faire des erreurs. Et, Ouais, clairement, faut qu'on soit irréprochable. Faut qu'on fasse des pauses aussi entre deux, parce que là. En fait, les pauses, c'est. Faut que nous, on n'ait pas de pause. Juste que les pauses, c'est entre nous, c'est, on fait une pause, quelqu'un nous remplace, quoi. Parce qu'il faut pas les laisser respirer. Non mais je veux dire des pauses qu'on rentre au commissariat faire un 10-6-5-10 minutes tu vois. Oui, bah oui ça c'est normal. Que nous on respire un peu aussi parce que c'est. Je suis là depuis 15h je crois, mais c'est fatigant de ouf. Et bah toi c'est juste que t'es con toi, c'est autre chose. Ah oui, tu fais ça, moi j'ai fait une pause. Hein. J'ai attrapé des connards. Hein. Ouais, au moins. 78 Ouais, le en général ils partent 6h au pénitencier et majoré. Hein. Mon cœur, c'est tout majoré tout le temps. Retour radio 75. Escape. 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 Il est long ce tunnel là. Hein. Oui, monsieur Muller. Oui. Parce que bon, on a discuté pour l'histoire de notre voiture sur la pelouse. Mais maintenant, discutons sur autre chose. Vous avez quand même failli tuer un lieutenant et un cadet quand même avec votre molo. Bah écoute, ils sont jetés sur le molotov. Hein. Voilà, alors. Vous avez prétendu qu'ils se sont jetés alors qu'ils étaient à l'arrêt, quand même, s'il vous plaît. Non, le premier, je l'ai jeté sur le côté et la voiture, elle a fait un dérapage, elle s'est pris. Oui, bon, enfin. Le deuxième était dessus, mais c'était. Oui, oui, oui donc bon. Bon le moto, hein. On en est où là? C'est. Qu'est-ce qu'on va faire de ça là? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah moi je vous dis qu'il vous reste quoi? On est 27 là du coup maintenant. Oui. Bah, je vous propose quelque chose. Au lieu de vous amener pour tentative de meurtre sur un lieutenant. Oui, tentative de meurtre, bien sûr, oui. Oui, enfin, ou autre chose. Enfin, de toute façon, c'est quand même molotov. En tout cas, c'est une agression, je pense, non? Oui, une agression. Bah oui, c'est une agression quand même. C'est pas une tentative de meurtre, c'est une agression. Oui, agression. C'est vrai, agression majorée. Je pourrais peut-être fermer les yeux, au lieu de vous mettre au pénitencier, pour que déjà on commence à me donner la rue McDonald's, s'il vous plaît. Dire oui de fin de service. Parce que bon, comme ça je ferme les yeux pour le pénitencier plus l'amende majorée, donnez-moi la rue McDonald's. 4, fin de service. Bah ouais, mais le problème c'est que vous allez encore abuser là, si je vous donne un truc. Mais bien sûr, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Vous savez qu'est-ce qu'il nous faut. C'est un début par début. Abuser. Bah oui, mais vous allez abuser encore. Mais non, parce que vous savez bien ce qu'on veut. Enfin, ce que nous on veut, ce que le gouvernement veut. Oui, bah oui, enfin, c'est le gouvernement. Mais bon, je veux dire, voilà, la molo, il a. Enfin, imagine, vous savez qui c'était le cadet en plus? Non, mais c'est encore pire. Vous savez qui c'était le cadet? Non, non. C'était l'ancien capitaine en plus. Non, mais vraiment. Ah, bah oui, c'est vrai que vous recrutez au bout d'un mois les gens. C'est vrai que c'est. Oui, donc vous avez essayé de. J'ai perdu 2 millions à la mairie, mais la mairie accepte encore de le recruter derrière. C'est encore un truc que je comprends pas. Ça, c'est. Vous savez bien que moi je m'en occupe pas de ça. Bah oui, bon, je suis sûr que ça fait plaisir qu'il vienne par contre, je comprends, je trouve ça illogique encore une fois. Hein, bah ça après, c'est pas moi qui fais les lois, hein, vous savez bien. Ah oui, bien sûr, c'est bien sûr. Donc voilà, donc moi je pense que c'est un début, un pas vers un autre pas, voilà quoi, enfin je veux dire, en plus McDonald's, c'est voilà quoi. Je vais réfléchir et puis on en reparle demain parce qu'il se fait tard quand même. Là. Ah oui, non, moi j'aurais préféré savoir maintenant parce que non, à tout moment, si c'est le commissaire qui s'en occupe, ça va être plus, peut-être, voilà. Enfin, juste non, savoir, on en reparle demain, je pense.
Oh, c'est dommage quand même. Je suis fêteur, là, on en parle pas. Ok, ok, bon, allez, à demain. À demain. Je vais essayer. Deux unités sur l'appel anonyme. Bonne idée, ça, non ? 49, 1,7 km. Qu'est-ce que t'en penses, Val ? 1,2 km. Ouais, bah... 18, 1,2 km. Il va y réfléchir. Dis qu'on a 18 et 49, allez-y. Allô ? Adam 02, on a 1 km. Eh, faut te réveiller, Patrick. Hein. Je l'ai dit, je l'ai dit à la radio. 02, je l'ai dit à la radio, non ? T'as mangé ? Bah non. Bah. T'as comment on monte là-dedans, putain, c'est là. 4. Tu vas où là ? Ouais, oh, il va y réfléchir, mais il va nous mettre une carotte. Sur la palade. Oui, mais bon, c'est mieux que rien. Oui, mais je veux dire, c'est mieux que rien, c'est un début. Hein. J'essaye hein, de trouver oui, des clairement, idées. Oui, clairement, hein. Oui, t'essayes. Hein. 19 de face sur un petit rebaron. Regarde. Oh, le Wenchun, il va te défendre. 4. Une idée qui veut se rapprocher ou pas du tout ? Où ? Sur le contrôle de 68. 21, je vais y aller. 9. Vous pouvez vous rapprocher du contrôle de 68 ? 14. Merci. Peut-être un bénisome, 104. 10-4. La peine anonyme, c'était une erreur, une personne a eu un problème. Mais ouais, je suis vraiment prison. Okay. C'est reçu. Ouais, parce que je peux même rien faire. Je voulais vous envoyer un message sur votre répondeur, mais je pouvais rien faire. Je peux rien faire. Vous êtes monsieur ? Monsieur Raven. Monsieur Raven. Hein ? Monsieur Marche ? Je connais pas. Oh non, mais je vous ai demandé avec le monsieur Félix. Ah, ok. Oh bah je suis vraiment 38, on est sur place du contrôle. C'est reçu. Ouais, bonne soirée. Oui. Oui, j'ai réfléchi, monsieur Meller. Oui. Demain c'est trop tard. C'est le mec qui vient de faire l'appel anonyme là, c'est un broker. Donc ah, moi j'ai besoin de réfléchir la nuit, c'est la nuit pour te conseiller. Ouais, non mais non, vu que c'est passé aujourd'hui, je veux savoir maintenant. Parce que comme ça, je sais. Ah mais du coup, je fais quoi la prochaine fois que tes agents ils viennent chez moi, totalement chez moi là, je les abats directement. Bah non, pas du tout, Gourou, côté de chez vous, qu'est-ce que vous... Vous parlez quand même de 1 à 2 mètres, là, on parle d'une pelouse, alors qu'il y a... Attendez, la dernière fois, on m'a cassé les couilles pour un trottoir. Non mais, faut pas non plus jouer sur les mots. On est bien sur 1 à 2 mètres, bah non, je suis comme vous, je joue sur le même... Vous savez que vos bros, comme vous dites souvent, vos bros nous ont fait chier parce qu'on était dans le parking, quand même, là, de la forêt, hein. On en est là, hein. Bah oui, mais après... Donc, bon... Oh là, je fais quoi la prochaine fois que tes gens viennent sur ma pelouse. Bah non, ils viendront pas à la pelouse. En tous les cas, je leur ai dit. Bah oui, ça marche bah comme ça. Bon, la prochaine fois, je tire pas, je les chope directement comme ça, moi. Ouais, bah après, ça ira plus vite. Bah après, si vous les chopez et qu'on sait que c'est vous, bah on vous demandera carrément ah directement Bull Street. Si je les chope et tu sais pas que c'est moi. Ah oui, ça c'est autre chose. Bah ça, on saura pas, oui. Bah oui, c'est sûr. On saura pas. Eux, ils iront au bout des canaux, il y a de l'eau profonde. Hop, un petit parpaing. Ouais. Ah, vous avez pas, c'est quand même là, c'est. Là, si on arrive à trouver que c'est vous, on va tout prendre, hein, presque jusqu'à Forum Drive. Hein. Bah oui, d'accord. Et là, je conseille, là, voilà, je vous dis, Brook Avenue et McDonald's Street, c'est pas non, mal ça. Non. C'est trop tôt, pas tout là. Mais pourquoi c'est pas trop tôt ? Mais non, ça fait deux jours. On a arrêté déjà hier. Vous savez que c'était passé hier ? On vous a raconté ? Hier, bah j'étais là hier, mais ça n'a rien passé. Hier soir, on a attrapé quelques bros. On les a attrapés. Ils étaient. Ah oui, c'est vrai, vous avez attrapé, vous avez fouillé. Oh si, ils faisaient les malins. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on est quand même agent de la police, on n'est pas... Vous faisiez les malins quand même quand ils vont fouiller ? Bah oui, vous êtes les malins. Attendez, vous respectez la loi en fouillant les gens comme ça ? Bah bien sûr. Ah. Et d'ailleurs, tiens, ton agent tout à l'heure qui fonce dans mon... Bah comme tu dis, mon bro qui passe son permis de moto et qui l'accidente. Ouais bah ça c'est pas normal ça. Ça il... Bah oui, bah regarde, il me met pas lui son permis de conduire. Bah non, pas du tout, il suivait. Comme tous les permis qu'on a passés, ils ont tous suivi. Sauf que l'autre le suivre, là, il lui est rentré dedans. Ok, bah je vous rappelle dans 5 minutes, on va voir ça. Bah oui, parce que là du coup, je veux bien, mais on est, moi, si on se fait renverser quand on passe les permis pour être en règle au lieu de la loi quand même, si on se fait rentrer dedans, c'est quand même dangereux. Attendez, pas tout, attendez, je reviens. Pardon, pas reviens. Tout. Oui, je reviens. Se passe quoi ?
Patrick. Il m'a raccroché. Je reprends R. Dis donc, oui. on s'inquiétait un petit peu là. Oui, un petit souci avec le. Non, mais ça fait 30 secondes que la patrouille n'est pas encore passée. Ah, parce qu'on s'est on s'est laissé un peu de zèle, vous voyez. Ah oui, ah oui, c'est vrai que vous laissez un peu de zèle entre 1 minute 30 et 1 minute 45, oui. Ah, bah il faut. C'est, ah, on c'est vrai est, qu'il on a, laisse... Il m'a pas fallu plus pour faire sortir des gens, c'est vrai. Oui, voilà. Donc oui, donc voilà, qu'est-ce que parce que moi je vous donne une fleur quand même parce que là on parle quand même de pénitencier, de l'argent, beaucoup d'argent, grave. Ah bon, c'est non, mais attends, je dis pas que le pénitencier me fait plaisir, Patoche, mais quand même tu crois que juste parce que tu vas me dire que je dois au pénitencier, je dois mettre à genoux directement. Mais c'est pas un genou, c'est une rue là que je demande. Là attends, quand on réfléchit, il y a quand même beaucoup de rues. Hein. Quand je demande, si je donne une rue, vous allez me prendre la jambe aussi, tu vois. Bah vous savez bien ce qu'on veut, on est d'accord. Bah oui. Vous le savez. D'accord. On commence petit à petit. Ouais, mais ça fait, c'est le deuxième jour. C'est trop tôt pour moi, Patoche. Non, parce que là je demande que McDonald's pour aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, hier. Ouais. Vous auriez fait le barrage et le qui était prévu initialement. Mais on pouvait pas faire le barrage, hier. On aurait dit que c'était initialement le premier jour, mais là pour moi le premier jour il est ce soir, tu vois. Ah non, moi c'est le deuxième jour. Le premier on a commencé. On a dû faire une réunion. En fait, pour vous expliquer, on a dû faire la réunion et après on s'est occupé direct. Je voudrais une vous dire, on a attrapé. Dites-vous qu'on a même attrapé une caisse qui était bizarrement pas prise par quelqu'un et on avait quelqu'un en cellule. On s'est dit peut-être que c'était eux, on sait pas. On n'est pas sûr. Les gars, on a perdu une caisse aujourd'hui ? Ouais, hier. Hier soir. Hier soir ? Oui ? Ah, vous saviez pas, ils l'ont pas dit ? Ok. Ah non. Bah non, c'est pas nous. Non, c'est pas vous. Donc, c'est bizarre parce qu'on a quand même bien attendu 15-20 minutes et personne n'est allé la chercher alors qu'on était bien caché. Pour l'instant, mes caisses sont. Moi, mes affaires tournent vraiment comme sur des roulettes. Hein. Ok, d'accord. D'accord. D'ailleurs, il faudra dire à Bacon hein, qu'a appelé Smith. Hein. C'est pas Smith qui a appelé Bacon en disant que ça servait à rien ce qu'on faisait. Oui, peu importe. Oui, voilà. Mais du coup, je répète, hein, ça sert pas à grand chose. Hein. Là, ce qu'on fait, ça sert à rien. Bah non. Bah figurez-vous que vous n'avez pas toutes les informations, ça nous a servi pas mal aussi aujourd'hui. Ah bon? Oui. Ah oui, d'accord. Comme ça, je vais faire une petite fleur. Je vous mets même une fleur. Ça m'a bien aidé parce que on a vu des mouvements. Ah oui, vous avez vu des mouvements. Vous avez quoi comme mouvement? Ouais, certains qui déménagent. Il y en a quelqu'un qui déménage, les gars. Non, d'accord. Ouais, ok. D'accord. Non, Ah, je vous le dis. Mais c'est quoi ça? Merci, t'as dit 17h. Je sais pourquoi tu dis ça. Ah oui? Oui, c'est pour ton inspecteur qui courait près d'un appartement en ville. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est moi-même pour vous dire exactement. D'accord. Bah. Vous avez retrouvé le caractère non, 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 d'accord, un peu de ça. On prévient ce qu'on a vu, ce que j'ai vu. C'est reçu. Donc, McDonald's, c'est bon Non, du coup, non. Du coup, non, ok. D'accord. Bon, bah, c'est dommage. Bon, bah, on va devoir vous rechercher. Vous voulez vous rendre tout de suite, comme ça c'est fait? Je vais prendre quoi, 6 heures? Oui, 6 heures. Petite 6 heures, ouais. Mais il est tard encore. Ah oui, mais bon, il est tard. C'est... Vous savez. Moi, je vais me coucher là. Ah, vous allez vous coucher au pénitencier, comme ça c'est fait. Oh non, j'allais me coucher là, Patoche. Ah non, allez, rendez-vous, comme ça c'est fait. Hop, 6h et majoré. Allez hop. On vous amène. Je vais réfléchir un tout petit peu. Hein. Laisse-moi quand même 5 minutes pour réfléchir. Allez, je vous laisse 5 minutes. Allez, à toute. D'accord. Putain, j'essaye, hein. J'essaye de trouver des trucs, hein. Il veut pas du coin. Oh, c'est compliqué, hein. Il... Sinon, comme Baker elle a dit dans le lieutenant là. Hein. Moi j'ai pas vu, il a dit quoi. Dis, on essaye petit à petit de rentrer sur McDonald's. Ouais, bah on fait ça demain. Hein. Tu crois toi qu'on va y arriver? Ouais, je pense qu'on peut avoir des rues. Hein. Je trouve des endroits. Je vais n'importe quoi. Hein. En fait, c'est nous qui se bloquons tout seuls. Hein.
Pourquoi? Bah parce que McDonald's... En fait, ouais. Leur zone, elle est loin, quoi, donc je vois pas pourquoi on se bloque. Oui, mais regarde ce que j'ai mis sur l'inspecteur. Regarde pourquoi ils veulent un McDonald's. Ils ont fait des allers-retours. C'est quoi, c'est la dernière photo, là? Ouais. Ils ont fait des allers-retours dans cet appartement. À Forum Drive, ils l'ont fait au moins 5 avec ça va. Avec 3 ou 4 personnes dedans. Non, deux chaque. Enfin. Donc pour moi. Après, franchement, tu vois, si on est une vingtaine en service, on se met tous. Sur une Levenstein et on passe dans McDonald's sur Bruges, tu vois. Ouais, mais ça, il y a des unités qui passent sur Bruges et d'autres sur McDonald's. Oui, mais ça c'est prévu demain. Enfin, c'est étape par étape. Quoi. Oui, oui, mais qu'on planifie au moins un truc. Ouais. Quoi. Parce que là, en fait, on est d'accord qu'on doit récupérer McDonald's, Bruges et Groove, en fait, non. Avant qu'ils viennent le. Non. Attends, t'as dit quoi? McDonald's, Bruges et Groove. Ouais, Groove, Carson, Bruges, McDonald, Covenant Avenue. Ouais, c'est toute la partie en dessous, quoi. En dessous de Davis. Ah, ça va être Groove le plus dur, hein. Ah oui, clairement. Pour moi, McDonald's, Bronge et Carson, c'est bon. Enfin, c'est faisable. 64, tour radio. Le plus dur, ça va être Grove Street. 10-4. 10-4. Oui, toi, tu es là. Yo. Putain, vraiment, y'a personne. Inter sur Davis là. Davis Miss Bank. Ouais. Yes, vous avez pas vu une BF400 passer avec une voiture en pleine balle? Sultan Noir, BF400 Noir, ils ont remonté Dutch London à droite pour partir à Radoplay, je crois. 6-4. Jusqu'à elle sort du Benny, c'est Wesson et Brecon. Ok, 10-4. Pourquoi Dame 02 levé de lock? 10-4. Ce que je veux dire, c'est que si on doit sortir les armes pour chaque rue. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que j'essaie de trouver des moyens pour. Voilà, tu vois, genre. Le fait que je l'amène pas en prison, c'est. Voilà, c'est beaucoup quand même. Ah, mais si ça marche pas, ça fait chier, quoi. J'espère qu'il va réfléchir quand même. Ça me saoulerait quand même de. Ah, ouais, t'aurais. Ouais, mais non, il habite dans FD, lui. Oh. Non, je peux pas faire ça. Ouais, je peux pas menacer Perkin. En fait, je veux pas faire l'escalade de la violence et surtout, je veux pas dire que ça pète aujourd'hui. Moi, genre, on est prêt à discuter, on essaie de. Voilà. On veut pas tirer. Ils savent qu'on est dans la merde. Ils savent que aussi, à cause de ça, ils sont un peu dans la merde, tu vois. Ouais, ils m'ont l'air bien serein quand même. Ah, normal. C'est bon casse quand même, c'est pas. On parle pas du Marie Pomme. 90, est-ce que vous avez vu un brawler marron sortir de la zone ce soir, tourner autour? 6-4, monsieur Buddy Mallard. Non, attendez. Un Buddy quelque chose qui habite Roy Lovenstein. Buddy Lillard. Ouais, c'est ça. Marron clair. 6-4.
Bah, Buddy Lillard, il en a un, il habite Roy Lowenstein. Putain, j'arrive pas à voir, y'a une voiture devant là. Tu la vois? 21, 10, 27. C'est des lumières en fait. Ah, je te réveille 10 ans après, toi. Ouais. On prend le 19-7, François, les coups de feu. Ouais, coups de feu, en dessous. Je crois que c'était un Hitler, il me semble. Ouais, 10-4, on va aller voir. 68, vu le bruit, ouais, c'est peut-être Hitler. Ça fait 5 minutes là, non? Mais je me rapproche au cas où aussi. Deux. J'ai eu l'appel avec. C'est pas vous que tu dois le rappeler? Ouais. Alors, tu réfléchis? Oui, bah je me suis envolé, laisse-moi 30 secondes d'arrêter. Oui, j'ai réfléchi, mais je vais me coucher tranquillement, moi. Je préfère dormir dans mon lit. Mais non, faites pas ça. Bah si, je préfère dormir dans mon lit. Si. Bah, ça veut dire qu'on va devoir vous rechercher. Bah oui, mais ça c'est pas un problème, ça. Mais si, c'est un problème, j'aurais pu m'arranger ça et ça aurait été fait comme ça. Ouais, mais c'est vrai, là, je compte pas les donner comme ça, pas tout. Attendez, mais on est d'accord que vous êtes... Enfin, on va parler d'une chose, quand même. Nous sommes en train de parler de McDonald's et en plus, gros gamme nu. Cette rue que vous avez repris parce qu'il y a eu un accident sur Davis Avenue, quand même. Oui, alors, je vais te faire le même discours que j'ai eu avec ton commissaire, hein, parce que je sais pas si vous avez un direct, vous communiquez pas. C'est vrai, là, je vous aurais laissé si vous n'avez pas été pris pour un con, entre deux. Comment ça, comme un con, mais je veux dire. Quand je pose une question où j'ai déjà la réponse et qu'on me dit non, et ben, je sais pas. Oh, moi. Mais d'accord, mais. On est d'accord que vous nous avez pris pour des cons mille fois. C'est pas parce qu'on vous prend une fois pour des cons qu'il faut généraliser et vous garder ça pendant mille fois. Comment ça, on prend mille fois pour un con? Allez, donne-moi un exemple. L'autre qui me dit son téléphone c'est rien, c'est Tinder, il y a un moment. Voilà quoi. Bah, il a le droit d'avoir des dates quand même. Oui, bien sûr, voilà. À 02, on va sur un bancaire s'il passe son permis. Des dates alors que je sais que chez les bros, vous avez pas le droit d'avoir de relations sexuelles. Non, on a pas le droit d'avoir de relations intimes. On peut avoir des relations sexuelles si. Oui. D'accord. C'est la différence. C'est-à-dire que vous pouvez nous prendre des cons tout le temps, mais vous, on le fait une fois, ça y est, c'est non, fini. C'est que c'est pas une fois, malheureusement, en fait. Ah, y a c'est, quoi, c'est, un tout, bah, c'est un tout, Patoche. Hein. Ces rues-là, McDonald's et Bro, je répète, hein, j'en ai pas besoin. Hein. Ah, je sais, c'est ça qui... C'est ça le problème. Le problème, c'est que vous prenez pour des cons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on vous prend pas pour des cons. Quelqu'un qui est sur la pelouse encore, ouais. Ce soir, c'est un autre exemple, tu vois. Ouais, mais c'est pas pour un con. Oui, la dernière fois, le mec au car wash. Mais vous savez pourquoi il était... Ah oui, mais vous savez pas là. Vous savez pourquoi elle était sur la pelouse? Ah bah vas-y, moi. Parce qu'elle a arrêté quelqu'un là-bas. Bah oui, alors qu'elle était depuis 10 minutes, oui. Ah bah elle a arrêté quelqu'un et après, il y a des trucs qui se passent derrière, quoi. Ah oui, d'accord. Et c'est ça le truc, c'est que, bah... Et le problème, c'est que, voilà, vous voulez... Enfin, moi j'essaie de faire... Le problème, c'est qu'on essaie de discuter autre, vous refusez tout. On parle quand même d'une rue que vous en avez rien à foutre. Là, je parle d'une rue que nous, bah, c'est quand même important à chaque rue, surtout que nous, on l'utilisait souvent. Et là, derrière, bah, vous en avez rien à foutre, quoi. Alors que moi, je pourrais juste enlever votre pénitencier, quoi.
J'attends de voir ce que vous êtes capable de faire pour récupérer ce truc-là plutôt que des petits barrages filtrants à gauche ou à droite qui ne servent à rien et là qui... Le souci, c'est qu'on ne veut pas arriver jusqu'aux armes, on veut à l'amiable. C'est pour ça qu'on est tranquille. Bah, jusque-là, à part ce soir avec le mec qui se fout de ma gueule, on vous tire pas dessus. Hein. Ah, si, là, vous avez tiré. Si, alors. Bah, à part ce soir, j'ai dit. Alors, si ce soir et cet après-midi. On s'est fait tirer dessus quand on est passé à. Attendez. On s'est fait tirer dessus. Ah oui. À Rollstein Boulevard. Ah oui, quand où ça? Quand? Comment? Tout à l'heure, on s'est fait tirer dessus un pistolet, coup de pistolet, puis après le fleur. Ah, c'était dans l'après-midi. Mais il faut qu'il y ait une raison? Ah, aucune raison, parce qu'on baladait là. Mon signe, ça me paraît bizarre, moi, personne n'a dit qu'ils ont tiré. Bah, je vous dis, ça venait de. Du côté entre Gove Street et Comden Avenue. On est en lock sur Davis Avenue, ouais, les motos qui viennent passer bizarre, nous, ils avaient une arme en main, Et pour vous dire, c'était même, il y avait aussi flair à bleu. Je savais pas qu'il y avait des flairs bleus. Ah bah, il y a personne qui prend des bleus chez nous. Tu utilises pourquoi? Ah, dites moi. Ah oui, mais je vous le dis, parce que ça venait de... Bah, c'est-à-dire que quelqu'un de Gove Street n'est pas de chez vous à tirer de là. En soi, c'est quelqu'un de l'autre côté de Gove Street qui a pu tirer, mais... Non, j'étais là, j'étais moi-même là. Donc, vous avez des mecs, je comprends pas. Mais si on était ici à sauver de sang que tu dis, je pense que rien que sur le pont, il y aurait une belle fusillade. Ah bah, je vous le dis, je vous mentirais pas. Pourquoi je mentirais? Bah, je sais pas. Quelqu'un de chez vous a un flamme bleu, je vous le dis, non mais j'ai pas que ça à faire. Et bien vu qu'on a fait des petites choses, on le faisait. C'est-à-dire que si je découvre qui c'est, son flamme bleu, il va plus être bleu, je te le dis. Ah bah oui, bah... Un flamme bleu. Bah demandez-lui, parce qu'il a un flamme bleu, à 100%. Je mettrai ma couille à couper. D'accord. Donc, vous voulez pas. Moi, non, je ferme les yeux. Moi, la moto sur le pont, c'est pas possible. J'allais me coucher tranquillement. Ah, ça me désole. Bon, bah, ok. Vous serez recherché pour. 19B sur le pont. Exactement. D'accord. Mais non, mais là, je suis quand même fatigué. Je suis dans mon appartement. Je pense que faire le détour jusqu'à là-bas pour me rendre. Ouais, en plus, ça devait tenir en pénitencier dans une heure. En plus, continue. Ah non, ça va être en deux secondes. Hein. C'est pas non plus. Vous voyez, là, ça fait longtemps que vous avez pas été pénitencier. Bah, si, c'est facile. Ah, c'est rapide, vous arrivez, bim, ouais, le bus arrive, bim, le médecin dit ok, et on y va. On a la moto, ouais, ouais. Ou bien on verra demain, on en reparle demain. Ah là là, bon bah, j'ai essayé, hein. Bon bah, si vous voulez. Hein. Oui, ça me dérange, hein. J'essaie de trouver des solutions avant que. On mette les bras, mais bon. J'imagine, mais bon. Encore une fois, c'est quand même un quartier que vous auriez pu récupérer il y a des mois et des mois. Ah, on l'avait récupéré, vous l'avez en deux secondes quoi. Est-ce qu'elle allait comment ça? Bah oui, mais en même temps pourquoi? Par un lieutenant qui rentre chez moi. Non, il rentre pas chez vous, il y a eu un accident. Oui, et pourquoi il y a eu un accident? Ah, rien, attends, on va revenir au fait parce que. Il était en code 3 pour aller pour traverser le. Traverser des vis, donc ça encore jusque là, s'il y avait une véritable urgence, il n'y aurait pas eu de soucis. Mais quelle était la véritable urgence? Je ne sais pas, j'étais pas là. C'est reçu. Bah, moi je peux te le dire, ils allaient à la supérette de Little Seoul. Il y avait une américaine avec un peu. Continue sans vouloir, c'est quoi le chemin le plus rapide pour aller à la supérette de Little Seoul? Non, mais le problème c'est qu'il y avait un cadet, non? Oui. Le cadet me dit, j'ai suivi le GPS. Depuis quand un GPS, quand il y a une sens boulevard, te fait passer par Davis Avenue? Base Bank, Rogers, pour aller à Little Seoul. Ouais, c'est un GPS défectueux, je sais pas du tout. Hein. Bah oui, ou alors c'est encore une fois de la mauvaise foi et du foutage de gueule. Bah là, moi j'étais pas là, moi. Moi je pense que c'est ça, tu vois. Ah. Évidemment, tout ce que j'ai pensé dernièrement, je me trompe pas. Bah là, par exemple, le flair bleu, vous vous trompez à 100%, je vous le dis. Bah j'ai renseigné à ce sujet, attends, je suis pas... Ça, des flairs bleus, je suis pas de flair dessus. Et en tout cas, depuis tout à l'heure, à part l'excès de zèle de certaines unités, on tire pas dessus. Bah, comme je l'ai dit, je me suis fait tirer dessus par là-bas. Du coup, ils vont faire ça toute la soirée. Je mettrai une petite fessée à celui qui est blessé. Ouais, vous, c'est une petite fessée. Nous, quand on fait ça, une erreur, c'est. On se fait tirer dessus mollo sur nous, quoi. Ok, bon, j'aurais essayé, monsieur. On en reparle demain. Ah ouais, mais vous repoussez l'échange, vous savez qu'on nous. On est dans le temps et demain sera une autre chose. Demain, ce sera pas que celle-là, ce sera Boug en même temps. Ouais, bah on en reparle demain dans ce cas-là. Ah, c'est dommage. Okay. Bon, bah j'aurais essayé. Ouais, on en reparlera demain. Elle a bonne nuit. Ah non, je pense pas qu'on en reparlera demain. Bonne soirée. Ouais, bon bah je pense que ça va être à la force. Ils sont vraiment pas intelligents. Ouais, en plus il le dit vraiment. Enfin, ça me saoule parce que. Il dit vraiment que cette rue, il en a rien à foutre, tu vois. Et ça, ça me désole. Non, mais c'est pour nous faire chier, c'est tout. Hein. Ouais, il sait qu'on est dans la merde et. Même c'est que là, on propose pas mais de pénitencier. Mais ça, c'est à cause de Willand, s'il casse les couilles. Hein. On propose de pas de pénitencier, pas de truc, et il en a rien à foutre. Enfin, c'est. Bref, c'est. On parle d'une rue qu'il en a rien à foutre, hein.
C'est deux choses. Bah, c'est une rue, il en a vraiment rien à foutre. Et pénitentiaire de César en moins. Et autre. Une rue, hein. Ah ouais, mais enfin, ça me. Désolé. Moi, j'aurais essayé. Dommage. Y'a wesh quand même, hein. Ouais. En tout cas, t'as les couilles de le faire parce que moi, j'aurais pas fait, hein, je te le dis. J'aurais rien à foutre, quoi. J'essaye de faire n'importe quoi pour avoir un truc, hein. Ouais, mais t'as bien raison. Si je perds mon badge, on a le quartier, je perdrai mon badge. Mais non. Arcadon 64. 14. Ah, dès qu'il a fini, on lui contrôlera son identité, son permis. M78, on enlève le lock et on fait un D19. 4. Il envoie des messages. Ouais. Zero 2, on a quelqu'un vers Carson Sud ou pas au croisement Roy Lomenstein? 10-4-90. Y'a une Rhapsody permis là qui arrive, vous me dites si elle passe par là-bas ou si elle remonte Carson Nord s'il vous plaît. 10-4. C'est bon, elle est revenue. 10-4. Retourne dans Carson. Genre ça sert à rien, je trouve. Deux. Ça sert à quoi de suivre les permis 75 par pour voir qu'ils font pas autre chose à côté. 78. Oui, oui. Puis ça lui fait chier. Non, reçu, dernier call. 10-4. Vous l'avez vu ou pas la race de blanche? 10-5. Elle est pas ressortie sur Davis côté Maze Monk non plus. 10-4.
Y'en a quelqu'un au niveau de Strawberry? Yo, check ça. Yo, check ça, merci à toi pour le raid. Allez, 10-5. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut, check ça. Et à tous les Chexaïens. Et Jimboyens, putain, quel connard ce Jimbo. Oh là, Jimbo. C'est pas Hier, il compte même pas comme une journée. Salaud, salaud! Salaud les malandrins! Malandrins! Salaud! C'est au-dessus de 4, Jimbo! Sors de là, enculé! Ouais, ça va, bah c'est bien, c'est la pression des deux côtés. C'est la pression des deux côtés. Pour vous, ça sert à rien, mais je pense que ça met quand même une bonne pression des deux côtés. Il y a des tirs, c'est cool. Ok, il y a des tirs de l'autre côté. Enfin, il y a eu des tirs aujourd'hui deux fois. Une ici. Et une ici. Là, le trottoir s'en fout de la pelouse. Ah, j'ai essayé d'avoir McDonald's hein, avec ton. Voilà. Quel connard de pas avoir accepté là. Bâtard, là. Bien sûr, oui. Sur un site, il y avait une canne de patrouille. C'est la pression sur un groupe, quoi. C'est vrai, une vraie oppression. C'est au moins, c'est un vrai. Ça s'appelle un. Non, reçu. Un focus, un groupe, quoi. Certains disent ouais, c'est quoi le faire pour prendre un exemple, voilà, le focus, c'est ça, un focus. On traîne autour, dès que ça sort, on les attrape, quoi. Ça, c'est un focus. Yo, Shadow HS, passe à toi. Ouais, bah, à quel endroit il manque du monde sur ce dispositif? Si vous voulez lock, ce serait plutôt côté nord, a priori. Jusqu'à être parfait. Ça me faisait marrer aussi avant que je disais ah, on est tous focus, on est focus. C'était Noah Gilmore. Deux. Il m'a dit bah alors mon escorte il est passé où? Et j'ai on vous attend, vous inquiétez pas. Oh là là. Ouais, on s'est guissé hein. On a son adresse? Sûrement hein. Ouais, donc on n'a pas besoin d'attendre, je pense. Faut regarder. Si on l'a, on n'a pas besoin d'attendre. Ils sont les bunkers. Je viens de la dame de vite patrouille. Biscotte. Oh, non, 78, on pardon. Ouais, c'était cool la scène, bah au moins. Je pense que dans les bruits, ils comprennent que. Velosto veut essayer de faire avancer les choses sans que prendre les armes, bon. 4, j'ai un accident de 90, je mets le point sur répondeur, je voudrais bien une unité parce qu'on est juste en dessous du pont d'Alta Street. Jusqu'à attendre si je me rapproche. Suite, on va se rapprocher. Tu veux bouger du coin? Ouais, c'est Goldman, c'est Doug Gilmore, donc c'est vrai. Je vais faire le plan. Va tout droit là, c'est pas une. C'était pas une. Roule vite. T'as les canons, pour les fonds. Ouais, discrète, ouais, c'est pas grave. J'ai rien vu, hein. Merci Roma pour le sub prime, ça fait plaisir. Merci à Nibuka pour le sub offert à chaque ça. Chaque ça. Pop.
Bonne nuit, Manel. Te dis rentrer à l'auto-école. T'as ce qu'il faut à manger à boire ou pas? Non. Fiche 4. Elle repart. Ouais, je cherche. Direction Northwalt. Ouais, go. Fiche 4. Yo, Fenris Soul, merci d'en passer à 20. Fiche 4. Hein? Hein? D'accord. Yo, Kals, merci d'en passer à tier 3, FCD 3, wouh! Merci énormément pour la FCD 3. Wouhou! Merci Coles! FCD 3. Et tout, FCD 3. Bah oui et non, parce que vous ne savez pas ce qui se passe autour en fait. Vous ne savez pas ce qui se passe autour. Il y a beaucoup de choses qui se passent et les brokers n'ont pas toutes les infos que nous on a. En fait, on ne fait pas que suivre les brokers. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des appartements qu'on spot, il y a des petites mains qu'on spot. Enfin, on a plein d'informations qu'on sait, plein de choses. Là. Là, à tout moment, on peut sortir des perquises, des grosses perquises qui peuvent vraiment faire mal. Rhapsody Blanche, Roy Lowenstein, direction ouest. 4. Yo, ciao, ciao. C'est pour ça que j'essaye de. Que Balosto essaye de ne pas en arriver jusque-là, quoi. Il ne sort pas toutes les cartes, quoi. Il pensait avoir au moins une rue pour au moins aujourd'hui, tu vois, ça fera un soir et demi, quoi. Et. Hier, ils ont perdu une caisse à cause de nous. Et pour eux, c'est un premier soir, donc ils veulent pas donner un truc. Donc on verra ce que ça donne. Hein. C'est Blo pour Subtier 2. Ça fait de la pression. On peut pas tout avoir ce qu'on veut ou autre. Madame 02, vite à terre, Arc. Scott. T'as fait un appel avant ou pas du tout? Pas dans le coffre. Pas rentré dedans, cher. Un autre butatoire, c'est le 3. En fait, le président. Suivez ou? Le président veut passer par. Vous voulez lâcher pour la suivre ou c'est ok? Oh non, je vais la suivre. Faut rester dans le coin, s'il vous plaît. Reçu! Donc on doit gagner le maximum de trucs, essayer d'avoir vous avant que si on n'a pas, je pense que nous on perd. Nous on perd peut-être le commissaire, on perd sûrement le commissaire et je pense que les brokers perdront beaucoup de choses aussi. Si le gouvernement au-dessus, les présidents s'occupent, je pense que c'est des appartements qui vont tomber. Et 18 va sur la Rhapsody qui a fait un contresens. C'est le 3 mars. Donc c'est pour ça qu'il veut pas avoir de sang, il veut pas avoir de trucs de choses, mais bon. Scott. Mon appel a été pris, ils arrivent. Allez. Poire gras. Allez. Après, dans tous les cas, hein, je vous le dis, hein, si on n'a pas l'appartement, si on n'a pas les trucs. Le FBI va rentrer dedans et ça va tout péter. Espérons qu'on gagne. Voilà quoi. Point 10 reprise de patrouille. Ah, qu'on gagne, mais bon. On réussit à avoir l'appart. Moi je. En décroche, du coup. Moi je vis d'un truc où les zones sont beaucoup plus petites et que les gens peuvent bosser dans les zones et tout. Un truc stylé quoi. On va essayer, hein, ça va se battre. Hein. On essaie la parole, et à force, bah. Ce sera moins la parole. Logique. Et 10 bottes à face sur une berline grise au niveau d'Orchardville Avenue et la Bank Place. Et bonsoir. J'allais dire ce blanc. Vous allez bien? Ouais, on est fatigué, désolé. Je comprends, pas de soucis. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah oui, vous.
Ça va, nickel. Moi je vais prendre 12 pizzas jambon et 10 jus de pomme s'il vous plaît. 10 jus de pomme, c'est que je mors. Et 10 jus de pomme. Moi de mon côté c'est 15-15, boisson et eau c'est 5-5-5 et vous faites ce que vous voulez. 15-15, ça marche. Pas compliqué, Patrick. Ouais. Bon, j'ai la même chose, ça donne mal un peu. Essayez-vous pour le train de la hype, les amis. Bien, il est 1h20. Ouais, je pense qu'on va peut-être faire fin de service et derrière, on va faire un peu de code, hein, les amis. Codido. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. On n'a pas 6 jours, on a 5 jours parce que c'est un jour avant qu'on doit avoir la truc. 5 jours avant, on doit avoir déjà tout ça là. On doit tout avoir là, tout ça. Compliqué, hein. C'est faisable déjà au début de Davis, Carson, là, ça. Il reste ça, c'est faisable. Et encore, c'est chaud. Et ça va être Ghost Street, ça va être la guerre, je pense. Ça va partir en couille. Le problème qui est, c'est que, voilà, enfin, on va pas se mentir que le gros souci, c'est. Alors, on avait. C'est pas normal qu'on puisse pas faire. Voilà. Et L'IKEA, c'est pas normal, tu vois. On va défendre les gens sur IKEA. Et on avait. Les boissons. Les boissons. Parce qu'au bout, lieutenant. Les salades. Moi, j'ai trouvé ça cool la mollo et tout. Les pâtes. Bon, on va dire qu'il a bien visé, mais. Et les burgers. Merci. Merci à vous. Parfait. Merci, merci d'être présent à cette heure-là. Pas de soucis. Bon, allez. Ouais, on est reparti. Merci beaucoup, aussi. Bonne soirée à vous. Tu veux conduire? Non, moi je vais faire votre service, moi. Oh, mais quelle feignasse! Ouais, voilà. Là, ça va être calme en plus. Hein. Ouais. Je pense demain ça va être le plus gros. Hein. Ouais. Demain dimanche ça va être le plus gros. Hein. C'est là où on va devoir. Putain, c'est vrai qu'on est dimanche demain. Ouais. Ça va être la guerre. Hein. Ouais, ça, demain c'est la guerre. Ça va être la guerre sur la Weinstein. Ah bah tiens. On se rapproche de la 75. Ouais, ça va être demain la grosse journée. Ah bien. Et passe au passe du coup. Ah, je vois ça quelques. Enfin, un peu de temps, mais. Je vais te dire ça. On continue. Tu conduis du coup? Vas-y, 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 laisse-moi conduire. Anno 02, Obis Patrouille. 10-4. Mais bon, c'est bien, c'est d'attention. Juste c'est fatigant, ouais, c'est fermé. C'est fatigant parce que c'est fatigant pour nous, c'est fatigant pour tout le monde. Escape. Fin du permis de monsieur Gilmore. Putain, ça a été long. Ouais, il a perdu son permis? Non, fin du permis de son passage. Ok. Je vous dis, il a eu son permis, il l'a perdu déjà. Retrait de 12 points instant, bim. J'ai repassé mon permis cette nuit et la fleur il m'en a déjà retiré 4 tout à l'heure. Ah, tu voulais comment? Hein? Tu voulais comment? Quoi, je voulais comment? Bah, pour être retiré 4, t'as fait quoi? Bah, rien, c'est juste qu'on était en cellule et au lieu de les retirer à un broker, il me les retirera à moi. Ah! Quel enfer!
après. 19B sur Madame Campbell RS. Quand tu regardes la zone qu'ils ont, il y a une pression partout et tu commences à prendre des petites rues. Hein. Bah ouais. Moi j'ai peur d'un truc hein. Vu qu'ils ont, ils ont les informations du président pourquoi on veut ces zones là et on vous a de s'attaquer au président hein. Bah si fait ça on est tous dans la merde hein. Ce serait la logique des choses on va dire. Et qu'est-ce qu'il vient foutre aussi ici le président quoi, il casse les couilles hein. Ah parce que c'est le nouveau parce que je pense qu'il veut se montrer pour les nouvelles élections. Braquage 49 2 km 1 km 7 1 km 7. Je me rappelle plus du tout qui est plus proche mais 90 ouais 10-4 et le deuxième plus proche sur un 6 700 mètres et c'est reçu. Pourquoi ils sont si près que ça? T'es où? Non, ils doivent pas patrouiller, bah c'est la boutique d'accessoires. Boutique d'accessoires. Kuruma grise noire devant. Elle repart direction direction ouest. 5 porte la sud. Checker la, le magasin à l'intérieur. Les inspects normal parce qu'ils étaient en train de planquer là-bas, mais je ne sais, je sais pas pourquoi il était 1 km. Et 10-4. Je vous laisse les calls l'inter là devant. On est San Andreas ouest. Bah j'ai perdu, on m'avait fait peur. Oui. J'ai perdu, on m'avait fait peur. Vous avez perdu la voiture? Bah 10-4. Rapide. Aïe aïe aïe. Véhicule retrouvé, San Andreas. San Andreas Est. Movistar Nord. Vous vous rapprochez, 66. Héritage Way Ouest. Véhicule perdu au croisement Héritage Marathon. 10-5. Marathon Est, Dorset, Nord. Véhicule perdu du côté Dorset, Del Piro. 10-4. Ah ben retrouvé, Dorset Est. On sait qu'est-ce qu'il a acheté. J'ai une nouvelle voiture. Garceur Nord et une bite autour du cul. Ouais bah ça change hein. 6-4. Garceur Est en face devant la mairie. Et pourquoi c'est une nouvelle voiture? Après on va se rapprocher. Autorisation de pite. Oh mais c'est intéressant. Vous appitez intentionnellement. Mais sûr c'est la vôtre monsieur Barton. Ah ben Milton 10-4. La Sagona Sud. Après ils font peut-être exprès pour nous bluffer aussi. Il est devant le parking rouge. Il fait demi-tour. La Sagonas Nord. On est suivi par une moto. Ouais bah oui. Aidez-vous sur le côté s'il vous plaît. 5, la moto est partie. 10-4. Ouais, reculez, reculez, vous avez. Reculez, mettez-vous. Passez-vous s'il vous plaît. Il fait une mission à Sagonas Sud. Une garance en sens inverse là. Occupation Est. Traction code de la route. On racle, on décroche. Power Nord. Ou alors, vous l'avez acheté quand cette voiture? Hein? C'est pas une okay, votre case. Ah, bah, 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 oh! Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon.
Non, c'est pas bon, la prochaine fois je taserai, hein. Vous le savez, hein. Là, on a là, vous avez donné la formation devant le bénis, comme par hasard. On va sortir sur. Il y a des gens qui vont arriver, c'est ça? Comme par hasard, il y a des gens qui vont arriver. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Votre carte d'identité. Altanor. Voilà. Tétruel. Ah, pas de permis moto, pas de permis poids lourd, pas de permis bateau, pas de permis pilote d'hélicoptère. On va sortir sur. Ouais. Barton. Boulevard direction nord. 65 Forum Drive. Il est parti côté est. Il descend sur. Alors, c'est bien sa voiture? Sur Power. Monsieur Barton? Vous pouvez descendre du véhicule? Ah! Putain, ah un arbre, c'est pas votre véhicule! Oui, bah c'est bon. Sortez de là tout de suite. Oh! Hop! Pas de taser, je vous l'ai dit! Ouais, bah, oui, mais c'est Barton! Pas de taser! Ah, vraiment, je vous le dis, monsieur Barton! Ah, j'appelle le bénis, ah là là, vraiment. Barton! C'est ma ceinture que je voulais enlever! Oui, bah oui, la ceinture et le téléphone, monsieur Barton. Mais dès qu'on le véhicule, monsieur Barton, tu peux. On est sur Confusion West, on passe. Vous me laissez vous présenter vos mains? Mes mains ou tu pas là, ou... je sais pas. Non, non, je vos mains, s'il vous plaît, monsieur Barton. Ouais, si tu veux. C'est qui là? On voit pas. Sur le côté ouest du tunnel. Bon, du coup, on est reparti pour venir ensemble. Pour notre part avec le camion. Oui, je crois, oui. On va voir avec la SBC si c'est son complice. C'est 4. On a un cadet ou pas? On a un cadet là ou pas? Oh. C'est 4. 4. Innocence Boulevard, Alta Street. Oh, vol de véhicule. Bon. Ah, oh, martyrisé, il va pleurer. Oh non, hein. On l'a pris à 14. Arrêtez, hein. Ah, bonne chance pour le martyriser celui-là. Hein. Tel quel. Ah, allez, venez. Ah, bah, t'inquiète, je le connais. Il est où? Il est là. C'est vrai, oui. Il est où, on va voir si vous allez le maîtriser, le cadet. Oh, allez. Ah, je monte avec ce Barton. Allez, montez. Vas-y, ouvre ta merde, allez, on va en cellule. Vas-y, attends. Mais votre ceinture quand même. Oh. Monsieur Barton, voilà, niqué. Dis-lui que la prochaine fois, ça nous trompe. Un vol de véhicule pour lui. Hein. De 66, apparemment, il n'y a plus de bénis. Un vol de véhicule. Oh non. On appelle le. 6-4. La Ariane. Ouais. Mais par contre, attends, vol de véhicule majoré, ça pique, non? Oh, 10 000 balles. Et c'est une heure de cellule et 10 000 du coup? Tu sais quoi? J'en suis sûr qu'il a des caisses sur lui. Il a vraiment fait ça? Je sais pas. Ça rend couillou s'il a fait ça. 202, vous nous direz ce que M. Barton a sur lui, s'il vous plaît. Ah non, c'est... Scott. Si c'est ça, c'est incroyable. Hein. Il a failli passer. Hein. T'appelles Ryan ou pas? Non. Je vais les appeler. Le 14, prenez pas l'intercepteur 160, elle est défoncée. 4. Prenez pas la 409, elle est encore plus défoncée. 10-4. On va faire une réparation, je pense. Vous pouvez me noter les deux numéros dans le journal, s'il vous plaît. Yep, je fais ça. Non, 10-5 dans le canal de discussion, s'il vous plaît. Sur un 6 sur ton patrouille. 10-4. Il a un outil de crochetage et 120 boissons. 120 boissons, putain, il avait cru. il a dû tenter, il a dû se dire, tiens, pourquoi pas pour voir si. Un vol de véhicule majoré et puis. Et ouais. Et puis une heure. Et ouais.
comprendre que ça va coûter cher. Hein. Techniquement, on devrait aussi mettre objet prohibé, quoi. Ouais, mais c'est avec ça qu'ils volent les véhicules. Donc c'est dans la même chose, quoi. C'est pas ces deux amendes qui vont faire la même chose. Comme quand on prend une flica, on va pas les mettre agression armée. Ouais, ouais. Kidnapping. T'as 10 000 balles. C'est ça, le premier jour, on tape dans le portefeuille. Deuxième jour, on va retaper dans le portefeuille, mais on va se montrer dans les rues qu'on veut d'abord. Et ça va être de plus en plus, quoi. Biscotte. Et demain, si ça nous tire dessus, bah. Ça te perquise, hein. Faites un 10-19 pour partir et récupérer 118. Ils ont répondu ou pas, Rien? J'ai pas fait gaffe. Ah bah, ça y est. Parfait. Voilà. Alors, ça serait pour cette voiture, bonsoir, ça serait une voiture en fourrière, et si vous pouvez venir faire un petit check-up chez nous. Oui, bien sûr. Parfait. Pas de soucis. Yep. On vous suit à la fourrière. Il y a pas un retrait de point aussi sur ça? Non. Non, pas de vol de véhicule. Vol de véhicule, c'est pas leur conduite qu'on a arrêté, c'est leur... 64, fin de service. Mais peut-être quand même pour l'amende, hein. Quoi? 10-4. Ah, je sais pas, il y a 10 000. Rien à foutre, hein. C'est juste le double de standard, hein. C'est pas non plus. Combien la standard? 4005. Et voilà. Ouais, bah. À toi de voir. C'est quoi dans le directive? Tout en. Bah, c'est Rien bien, si c'est tout dans... Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Je sais que... grave, c'est quand ils volent déjà plusieurs fois les mêmes véhicules, quoi. Écrit la sévérité maximale s'entend comme amende majorée, mise en détention à la moindre infraction, même pour une infraction au code de la route, ou même pour un simple rappel à la loi. Ouais, majorée, temps de détention maximale par rapport à l'infraction commise, fourrière systématique, retrait de points systématique en cas d'infraction au code de la route, et 6 points en moins sur refus d'obtempérer. Ouais, bah majorée, alors. Aucun soin de service. Après, on est en temps de guerre, hein. Scott. On n'a pas que ça à faire d'être gentil, là. Ouais. Ah, j'ai essayé, j'ai essayé de communiquer pour baisser les tensions, il n'en a rien à foutre. Scott. On va taper dans les portefeuilles. C'est triste, mais bon. Après, 10 000 pour eux, c'est rien. Pas de mentir que. Ils doivent être riches, c'est gigolo. Bon, je sais pas combien de temps on les a laissés tranquilles. Voilà ce qui se passe. Des virus. Ils forniquent et ils agrandissent leur pouvoir. On va sortir les voitures mauvaises. Laurie? N'oubliez pas les fins de service sur l'intra 68, 75, 64 et 90.
on va les forcer. Ouais, 10-4. Ah, 10-4, c'est fait. Vous savez s'il y en a beaucoup ou pas? Bah on sait pas en fait. Il y a 3 sûrs, mais après je sais pas s'il y en a plus. Vous pouvez commencer si vous voulez. À ma droite. Bah non, c'est pour savoir si j'appelle du renfort. Mais. Ok, bah pour l'instant on a 3 sûrs. T'as regardé les buffs ou pas? J'ai regardé que la première. Vas-y, tu sors et moi je te la rentre. Je vais sortir une bûche. Vas-y. Hein? Ok, elle est nickel. Bon, je la rentre. On va sortir l'autre. Yep. Là, elles sont nickel les bûches, j'ai jamais personne qui utilise. Ah ouais, ouais. La merde. Et qu'à mâcher les bus. Vas-y. C'est ok. Ok. Ah, attends, la bonne essence. Trop gentil, Val. Non, parce que le problème du huile, c'est normalement par rapport au vol des véhicules de joueurs. Sous-entendu d'une comète safari au niveau du Bénise et il y a Monsieur Gnebov qui les a suivis directement après dedans. De ce ainsi, je me rapproche. 10-4. Oui, désolé, on est en train de regarder si tous les véhicules sont bons. Oui, pas de soucis, pas de soucis. Ça va, il y a l'air de pas me. Non, ouais, ça. Bonsoir, Maltork. Oh, c'est ok, hein. Ouais, bah c'est bon.
Et David et tout, c'est bon, y'a pas de... Je sais pas, j'ai pas regardé, mais on les a pas sortis, donc... Je peux check vite fait, mais... Hop. Du coup, bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci à vous. Pas de soucis. Oh, j'ai arrêté. Ouais. L'autre voiture, y'a ta pompe, y'a ton pompe. Ah oui, merde. T'en es tout, Bénis? Y'a pas de pénis, donc on s'en va. Et tout va bien. Rien, c'était pas de clébof, c'était poreux. Votre véhicule est cassé ou... Oh, 10-5, 10-5. Bon bah on va faire un peu de code, putain je suis fatigué là. Et attends, mais je suis fatigué, alors je fais que dormir là, putain. Ouais, horrible. Ma vie est horrible aussi. Visite fin de service.